Ouais. Partout dans les petits trucs en dessus là. Bonjour à tous. Mais juste les gens qui ont des pixels ici. Quel âge avez-vous? Venez, on fait un petit Charlie de Où est Charlie, mais minuscule quelque part, en tout petit pixel. Ça a déjà été fait, mais on peut en refaire un. Ah ouais? Il y en a déjà un là? Oui, il y en avait déjà un avec une canne, il était vachement stylé. Hier, ils en parlaient hier. Je crois que Zera, il en parlait hier, je crois qu'il y en a un déjà. Oui, il y en a un avec une canne. Il est toujours là, il est toujours là. Il est là, il est en 1730 ou 289. Il est là, on fait pas un. Ah, il est là 100%, il y en a un. 1730 289. Enfin, à peu près, il est grand, donc tu le verras direct. En fait, vois l'homme un peu le Cthulhu de... Ah, je l'ai, GG, ouais. Il est juste en dessous. Il est propre. Ouais, il est très stylé. Oh, il est trop bien, ouais. Enfin, la Terre, elle ressemble plus à rien. C'est vrai, j'ai pas vu. Ah, la Terre, c'est... La Terre. Il y a une énorme attaque, sur la Turquie. Attends, les Finlandais, là. Attends, il y a une guerre, en fait, là. Regardez, tout en haut, là. Tout en haut, il y avait un drapeau turc. En 1157-186. Ils avaient deux drapeaux là sur Turquie. Ah, mais oui! Ils s'étaient atomisés pendant qu'on parlait. Wow. Ah, il est fini. Oh. Mais attends, mais peut-être qu'il y a d'autres pays qui sont en guerre. Non, il y a un truc Doom, faut pas tout. Ah, je pense qu'il se passe des trucs, oui, forcément, ouais. Regarde le document dans l'ensemble, quand même, c'est un délire. Tout ce qu'il y a. Bon, on a tous le même overlay normalement. C'est mutualisé. C'est bon. Oh, allez, Louvre, il commence. Il sort de l'eau là. Il sort de l'eau, gentil. Ouais, Louvre, il est en train de monter sa tête. C'est beau. Ah, il est beau, Louvre. Ouais. C'est beau. Faut faire attention, il faut garder un œil là sur les autres. Peut-être qu'il y a des guerres dans notre dos. La cathédrale. Notre-Dame, ça bouge pas. Notre-Dame, il y a des espagnols discrètement. Non, il y a une team pour les Eleven qui fait que ça, je crois. Ah ouais. Qui le maintient non-stop. Ouais, il a pas bougé. Ouais, il tient le Z. J'ai l'impression qu'il se passe rien ailleurs, que c'est tout calme. J'avoue, c'est à mon avis, ça peut pas être si calme que ça, c'est juste que nous, c'est tellement gros qu'on nous voit de tellement loin, mais... Ouais, puis on est concentré que sur d'autres trucs depuis ce matin aussi. Ouais, c'est pas... Ah, je sais pas, j'ai l'impression vraiment c'est calme. Alors là, il y a le drapeau de la Canada qui se fait riner une banana. Oh putain. En haut, juste à côté de là, il y a la tour Eiffel avec le vin rouge et le fromage là. Oh non, putain. Les gars, ils arrivent pas à faire leur feuille d'érable déjà. Ils en peuvent plus avec leur feuille d'érable. Ils sont à bout de souffle, les Canadiens. Le banana, il... Ah ouais, le banana, c'est un affront là. Ah, les Canadiens, et ça fait 3 jours qu'ils se font bouler avec les bons. Mais attends, ils ont disparu aussi en bas. Ils étaient face au Japon. Où ça? Tu vois, il y a le tableau là, tout en bas. Ouais. Juste en dessous, là, il y a un drapeau néerlandais, je crois, non? À gauche là... du Japon. Ouais, et là, ici, il y avait le drapeau du Canada avec un cœur entre le Canada et le Japon. Oh, il s'est fait. Oh, il s'est fait. En fait, tous les autres pays se sont détruits. De loin, le Louvre, c'est stylé, là. Ça commence vraiment à être stylé. Oui, ah, oui, il commence à y avoir des reliefs et tout. Non, c'est propre, c'est propre. Ça commence à être très stylé. Ah oui! Ah oui, oui. Ça, c'est trop beau. Non, ça bosse, hein. Ça bosse, en vrai. Ça bosse, Louvre, ça bosse. Ça bosse, hein. Ah, parce que là, les... Non, si, ça bosse, c'est propre. Comment ça, tu le vois pas, Sky? Comment ça, tu le vois pas? Mais j'espère que les Néerlandais attaquent les Canadiens. Bah, ouais, hein. Ou alors... C'est bien, hein. Du coup, ils s'en sortent, là, avec leur banane. Ah non, ouais, c'est... Ouais, c'est... Ouais. Moi, c'est la feuille d'érable, hein. Ça me met la larme à l'œil. Ça te met mal. Ça me met mal de voir qu'ils mettent tant d'efforts et ils sont focus que sur ça. Juste pour défoncer les Canadiens, quoi. Puis ils doivent dormir, les pauvres, à cette heure-ci. Là, il y a des gens, ils ont le poing serré, ils pensent à la feuille d'érable toute plate comme ça, là, ils sont tout tristes. Est-ce qu'ils sont en train de repush un overlay ou un truc? C'est tout bizarre chez moi. J'ai fini et c'était un peu chelou. Attends, je vais voir. Ah, je crois que c'est bon. je sais pas. Moi j'ai un truc chelou. Ça va être push dans 2 secondes, enfin dans 2 minutes, le format où il y aura que la pyramide du Louvre. Ok, d'accord. Et en vrai, ça commence à être stylé en vrai quand ce sera rempli. Ouais. Ah là, ça va être dingue. Bah, faut que ce soit rempli. Le truc après, là. Putain, et après on pourra faire notre Shrek sauce algérienne là. Ça m'est Oh, celui il est trop bien, il passe trop bien. Non mais il faut un peu de folie là, c'est bon là. Ah ouais. C'est bon frère. Non mais là on s'endort là, il est 13h40 là, genre. Putain déjà.
Alors, on est là, on fait des... Il y a l'air d'avoir une guerre entre les Néerlandais et les Canadiens. Ouais, ouais mais vas-y, c'est... Je dis juste... C'est une toute petite guerre. Mais ça se rapproche de nous, hein. Canadiens, c'est la famille aussi. Ils dorment, ouais. On les laisse subir. Alors qu'au lieu de Canada, ils se font rename banana. Enfin, après, bon. Après, nous, on a dormi tout à l'heure, on s'est fait allumer, ils vont se réveiller. Ouais. Ouah, ça commence à avoir une gueule. Là, d'abord, on finit. Voilà, ça... Ah oui. Quand vous dézoomez, c'est une dinguerie. Hein. Ouais, vraiment, là. C'est très beau, ouais. Oh. Monsieur Mime, il était bien, là. Monsieur Mime, il en est où? Parce que du coup, on l'a abandonné. Ouais, je sais pas, ouais, il y a des tentatives de tub. Il y a des tentatives de tub et de feu. Ouais, tentatives de tub, bon. Après, il tient, il est... Ça me fume, je sais pas pourquoi, il y a un Monsieur Mime. En fait, normalement, il a des ronds rouges sur les joues. Et là, il a juste un giga smile, mais un peu chelou, en vrai. Non, mais ouais, il a un monosourcil aussi, à la base, il a pas ça. Je sais pas pourquoi. Là, par contre, ce que je suis en train de demander, c'est comment on va un peu... Blend le bas du Louvre dans la suite. Tu sais pas que ça fasse genre couper, tu sais, un peu. Arrêté net, ouais. C'est un peu arrêté net, quoi. Je sais pas. Le problème, c'est que si tu le continues, on reconnaît pas que c'est un reflet du Louvre. Non, faut arrêter net, c'est un parti pris, ouais, ça s'arrête. On verra à la fin comment ça rentre. Ouais. Mais... Ok. C'est propre. Mettez votre tuile, hein. Dès que vous avez votre tuile, boum. Il y a encore des trucs à mettre, hein, franchement. Il y en a pas mal. Je pense qu'il y a des gens qui nous griffent en même temps, parce que ça ralentit plus que prévu. Mais en vrai, dans 10 minutes, on peut le finir, ce Louvre. Si vous y allez Je pense que dans 10 minutes, c'est fini, oui. Ouais, il est bien déjà. Dans 10 minutes. Combien le bâtiment derrière? Il y a le bâtiment derrière aussi, non? Ouais, il y a le petit bâtiment. Le bâtiment derrière, non? Je sais plus. Ah non, il a été cut, non? Je sais pas. Ah ouais. Il semblait qu'à la base, il y avait un petit bâtiment derrière, mais je sais pas s'il sera là. Oh, la plage. C'est bien. Du coup, l'œuf de Dofus. La planète. Merci beaucoup, Cream Soul. Merci pour les 5 abonnements, frère, c'est gentil. Ah, on décale un peu. Il reste en. Les gens font attention à ne pas y toucher, c'est pas mal. Très clair, le croissant aussi. Alors, on sait toujours pas ce que c'est, les 3 trucs au-dessus du croissant. C'est des baguettes. C'est des baguettes, ça ouais. On dirait des battes de baseball, mais ok. Ouais, on sait. Ah, pour c'est moi, c'est des baguettes. Ah ouais, c'est des baguettes. Moi, je pensais que c'était une sorte de l'éclair, tu sais, comme tu mets dans les bandes dessinées. Attends, moi, je pensais qu'on fait ces baguettes-là, parce que... Ah, j'ai tellement hâte de voir le Louvre, là. Ouah, ça commence à bien rendre. Franchement, les couleurs, ça trop stylé. Je suis dégoûté d'avoir regardé, j'aurais dû attendre la fin. Ah, j'avoue, c'est chiant, mais... Après, je me dis, est-ce que c'est reconnaissable, vraiment? Il y a des gens qui continuent le reflet en bas avec un trait noir là. Le script, j'ai l'impression qu'il bug un peu donc. Le quoi, I'm sorry, sir? Ouais, pareil. Overlay. Oh, you meant the overlay, of course. Overlay, yeah. Ok. C'est parti, je pose ma tuile. Belle tuile. Je me suis pas trop posé en fait, les gens. Attends, je vais réactiver l'overlay. L'Allemagne est en train d'envahir la Terre. Ah, mais la Terre, par contre, c'est hallucinant. Hein. Ils sont en train de faire la même chose que ce qu'ils ont fait sur le. Oui les gars, l'overlay bug un peu, c'est normal, patientez. J'étais pas sûr, c'est tranquille l'Allemagne. Attends, on va patienter jusqu'à ce que l'overlay soit clean. Les Allemands hier, ils étaient comment? Bah les Allemands, ils font leurs grandes lignes et ils cherchent pas des noises. Mais ils l'ont agrossi encore. Ah mais ça y est, ils l'ont fait en entier là. Ils sont durs à contacter les Allemands. Ah oui. En fait, ils sont un peu réfractaires à l'Alliance. Ah ok, ils font leur bail quoi. Bah en fait ils font leur bail et en gros en fait c'est difficile de demander des alliances quand t'as un drapeau qui fait toute la map. parce que les gens sont en mode bah en fait ton drapeau prend toute la map. Ouais. Après en vrai de vrai, c'est vrai tu veux les attaquer tu peux. Non mais... Non, c'est bon et wow. Parce que la ligne là qui traverse en verticale, c'est la Belgique, hein, on est d'accord hein. Ouais. Ouais, ok, parce que je vois la différence, mais. Oui. On est amis avec des Belges, du coup. Ouais. Après, nous aussi, on a un sacré drapeau quand même. On va pas se mentir. Oui, c'est il va disparaître petit à petit. Hein. Big CSC quand même. Ouais, c'est vraiment le compte support est insoutenable, hein, genre. Il faut l'assumer, quoi. Bah, il y a un moment, ouais, il faut l'assumer, quoi. Genre. Ouais, non, mais oui. Ah les gars, c'est pour ça moi je suis en mode, on n'est pas obligé de. Même si on a une grosse force de frappe, c'est trop dur à défendre ce qu'on a donc. Ah, c'est un peu ça, ouais. Ouais, c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. Déjà, si on arrive à faire tenir le Louvre, parce que là, on se fait grave attaquer sur le Louvre.
C'est pas des gens qui se trompent dans l'overlay, c'est vraiment des gens qui mettent des couleurs inverses. Ils font des attaques là, ouais. Mais je vois plus rien, comme le script fonctionne plus. Enfin, il est à moitié bugué. Mais ça tient quand même. J'arrive pas à voir si c'est de la, si c'est du bug ou si c'est de l'attaque, tu vois. Après, c'est quand même assez propre, hein. Genre là pour l'instant. Bug, Rayou. Qu'est-ce qu'il y a? Le script, j'ai l'impression qu'il bug un peu chez moi. Ah, je vais leur dire. Ouais, moi j'ai une espèce de grosse grille, etc. Je vais leur dire. Une énorme grille, après peut-être c'est normal. Grille, ouais. Ah ouais? Et moi ça va, je sais pas. Je leur dis. Ouais, je sais pas si c'est fait exprès ou s'ils modifient un truc peut-être, mais... Oui, j'avoue, moi aussi je vois la truc. J'ai une grille, enfin un peu toute noire. Ouais, pareil. Ça veut dire qu'on se trouve, c'est vu qu'on a... Si vous avez le bug, arrêtez de build. Hein. Je vais pas... Ah ouais, ouais. Je vais pas F5. Alors, les gens dans le chat disent qu'ils ont la même chose, donc je pense que c'est un petit truc, un push qui a été fait. Faut F5 là ? Allez, si t'as pas le bug, honnêtement, fais pas F5, parce que je crois que ça va te mettre le... Voilà, ah, ouais, si tu l'as pas, fais pas. Hein. J'ai fait. Ah ouais, j'ai fait. J'ai pas F5. Ta mère, j'ai F5 comme une merde. Aïe. Et du coup, faut pas non plus mettre sa couleur, non ? Si ? Ah, moi je vois, il y a des endroits où c'est obvious, genre la ligne noire, bah tu mets un petit pixel noir. Moi j'ai un carré noir là. Ah, ça a tout niqué là, mais comment ça se fait ? Ah, moi je crois que c'est quand même bugué, je crois, moi. C'est en train de voir. Ouais, c'est bugué, ouais. J'avoue, la couleur, on est pas lourd. Ouais, j'ai pas du tout de la proposition noire sur le trait noir. C'est chelou. C'est chelou ou normal en vrai ? Pourtant, sur le drapeau Non, je pense que c'est normal en vrai. Je vais désactiver l'extension, Nathan. Non, c'est pas bugué chez moi apparemment. Du coup, bah vas-y. Je refresh peut-être pas en attendant. Non, je refresh pas. Des pixels, des couleurs qu'il voit, mais pas des couleurs qu'il faut faire. En tout cas, de loin, j'avoue que le Louvre, ça commence vraiment à donner vraiment. Genre le bleu, blanc, rouge, par exemple, tu vois, si le script, l'overlay, ouh, le bug, ouais, ils sont en train de régler, le développeur dit que c'est de sa faute, il est en train de voir, de modifier. On lui en veut pas du tout. Il sera pas viré. Ah. Lui, il sera pas viré. On a confiance en lui. Je lui dis d'aller se faire foutre. Hein, c'est bon. Non, mais en attendant, on désactive et puis le temps qu'il y a le problème. Il y a aucun prob. Moi, je touche plus. Voilà, la mise en prod. Attendez, il y a quoi ? On me dit que ça attaque la fleur de l'ombre ? Ça attaque la fleur de l'ombre ? Bah, hésitez pas si vous avez de quoi défendre la fleur de l'ombre. Défendez-la, mais ça va, non ? Ça a pas l'air trop violent, c'est ok ? Genre, je vois pas trop de trucs bouger ou quoi, je pense que c'est ok ? Non ? Mais hésitez pas à défendre ça, hein. Même si ça me semble propre, honnêtement, ça se défend. Ça se défend. Par le bas ? Ah, l'attaque par le bas ? Ouais, mais ça se défend. Ça se défend. Et ça, ici, de toute façon, on a les Néerlandais qui nous défendent, je sais pas pourquoi. Donc là, vous en faites pas. Ici, il n'y a aucun souci, les Néerlandais nous défendent, passent un coup d'œil de temps à autre, mais c'est ok, enfin vraiment, on est plutôt safe. On est vraiment safe de ce côté-là. Et là, par contre, ouais, n'hésitez pas à mettre des petits coups de temps à autre quand ça se fait attaquer, mais je pense que ça devrait le faire. Maintenez aussi ce cœur au niveau de Wreckful, le monsieur mime. Arrêtez de lui faire un chibre, hein, je pense que ce serait cool. Et puis derrière, là, on est sur un Louvre. Hein. On est sur un Louvre. Déjà, non ? La première bande. Ouais, mais j'avoue qu'ils essayent de prendre en bas, c'est un peu chaud. Airplay, ils ont déjà... Les gars, je vous en supplie, dézoomez, wesh. Et regardez le drapeau de la France. Non, mais c'est pas ça que je dis, ils ont déjà pas mal. Un truc, quoi, voilà. Non, ouais, mais elle est minuscule. On le voit. Quand est-ce qu'on fait un Shrex ? Il veut vraiment faire son Shrek, lui. Hein. Frère, genre, c'est beau. Je suis pétri par la culture, mais au bout d'un moment, genre, je te jure. J'ai envie juste de faire un Shrek, quoi. Ah, mais genre là, on est en train de mater un opéra avec une tisane et une pipe. Vas-y, je vais encore pisser, j'en peux plus. Genre là. Je vous laisse comme ça. Là, il faut respecter le script, bien sûr. Il faut genre. Dès que le Louvre est prêt, là. Dès que Inox. On a fait l'Arc de Triomphe, le Louvre, t'as vu, on a fait la partie monument. Après, on peut faire des trucs un peu plus funky, quoi. Et un petit Népal un peu discret. Mais par contre, je vois des gens continuer le reflet du Louvre, là. Il y a vraiment ça sur le script ? De quoi ? Il y a vraiment le reflet en bas du Louvre ? Ouais, je crois qu'il y est, ouais. Il me semble que ça s'est arrêté un peu au mail. Je vais voir si le script marche. Le reflet, il est un peu... Il y a une lentille, quoi. Il y a une lentille convergente un peu sur le bas. Hey, Rayman, c'est français ? Ouais, 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 c'est de la frappe.
Ouais. Rayman, Adibou, ouais. Tout ça, c'est français. Rayman validé fort. Rayman, c'est un trop flow. Je vous jure qu'il faut un petit Népal là. Ça mettrait très très bien. Je suis d'accord. Ça va être très bien, et en plus c'est un hommage et c'est un truc stylé. Ça, c'est un rappeur, si vous avez pas le ref. C'est qui sûr. Qui est parti malheureusement. Ouais, qui est parti. Et qui est très fort. Ouais. Apparemment des gens me disent que c'est réparé. Le reflet, il est fort. Je vais voir, je vais faire un petit F5. Ouais, le reflet, ouais, il est... Il coule. Moi je trouve Rayman, ça a trop de flow, Rayman. Rayman, ouais, je suis chaud, Rayman, par contre. Oh, ouais, ça a l'air bon, ça a l'air bon. Et Ratatouille, on le fait toujours ou pas? Bah, j'espère. Je pense, hein. En gros, là, ils voulaient faire le Louvre, ils nous ont mis le Zidane, Mbappé, Lofi, alors qu'on a dit qu'on voulait pas. Donc là, une fois qu'on fait le Louvre, on enlève ce calque et on met, je pense, Ratatouille et... Ok. Et Rayman, non, mais moi, je pense que Ratatouille, il faudrait que quelqu'un le prenne et le fasse comme Monsieur Mime, tu vois. Ok. La même taille. Bon. Non, pas la même taille, mais peut-être un peu plus gros, mais en mode... on le fait en calque, quoi, en rapide. Ouais, vas-y. Moi, je peux, hein, si vous voulez tenter un Rata. On peut se mettre à deux dessus, si tu veux, Ponce, hein, tranquille. Un petit Ratat Ouais, mais à deux, ça va être galère, parce qu'il faut qu'on se fasse exactement le même zoom et tout. Je pense que c'est un peu compliqué. Parce que ce sera sans script, c'est ça, ouais. Non, je pense qu'il faut que ce soit, une personne, vas-y, parce que vas-y. Sinon ça va être de l'enfer. Mais je prends quel Rata? Quel Rata? Celui avec la cuillère, non? Celui avec la cuillère, il est vraiment cool. Ouais, avec la cuillère. Il va pas être facile à fermer. Ouais, mais c'est le plus stylé. Mais je l'avais en pixel ou pas, lui? Non, il est pas en pixel. Ah, c'est chaud. Bah alors sinon, tu prends celui qui est déjà fait en pixel avec la petite toque, non? Non, mais sinon, tu demandes et... Il y a un gars. J'en ai un. Il y a un gars à qui tu donnes l'image et il te fait du pixel. Il fait en pixel, fort. Il faut lui donner celui avec la cuillère, alors. En vrai, je cherche. Et si j'en ai un, je peux te le donner, Rayou, pour ta team de graphistes? Ouais. Ouais, okay. Ouais, il faut qu'il ait une toque et une cuillère, si possible. Vas-y, alors. Ouais, la toque minimum. Ouah, le projet. Ok, toque minimum, j'en ai un, je te l'envoie, Rayou. Je te le mets dans... Je te le partage. Petit Joule discret, là. Ça bug encore le fichier? Je sais pas, je viens de... Surtout que les Espagnols, ils aiment bien Joule, non? Ils vont pas nous attaquer. Appelle-moi le J. en full discret. En fait, le reflet, c'est pas la pire idée. Mais tu sais que... Je n'osais pas trop le dire, mais j'avoue que le reflet... Ouais. Non, mais moi, je pense que Maître Sanji... On dirait qu'elle est vue du dessus, là. Ouais, je suis d'accord. Tu sais que Maître Sanji, je pense que ça peut être broken. Hein. Parce qu'en plus, on aura le soutien des gens de la commune One Piece. Oui. Et faire un petit Sanji discret, là. Pour le côté culinaire et tout. C'est on est dans la cuisine comme Sanji, genre en full... Full local, là. Tu mets Sanji à côté de Ratatouille. Ouais, je suis chaud. En plus, la commune One Piece, elle est déter. Je pense que ça fait... C'est pas mal, ça commence à être pas mal. Là, il y a un truc. Tu donnes ça au graphiste, Rayo? Ce que je t'ai donné, ou... Attends, c'est lequel? Dernier message. On l'a déjà. Ah, tu l'as? Vas-y, c'est un de moi. En fait, on a celui-là. Regarde, en fait, on a celui-là. Il est mieux, en vrai, je trouve. Tu trouves pas qu'il est mieux? Ou tu préfères celui d'en haut? Non, je kiffe aussi. Le reflet pas ouf. Ouais, je suis d'accord, le reflet. Pour moi, le reflet, ça devrait partir. C'est... En fait, là, de loin, on commence à pas du tout. Ouais, on dirait qu'elle est vue du dessus ou que c'est un cube. Je sais pas, ouais, un cube bizarre. Le truc que je vous ai envoyé là de Ratatouille? Ouais. Non, le Louvre. Le Louvre. En gros, là, le reflet est en train de se dessiner, mais ça fait bizarre. En fait, on dirait un losange, quoi. Ouais, c'est ça. On peut pas tenter ça, Rayou, quand même. Si jamais. Lequel? Ah, c'est bon, le... Tu veux tenter? Tu préfères celui-là à l'autre? Ok. Petite spatule, ouais. Bah, faudrait faire limite voter les gens. J'avoue que moi, je trouve les deux stylés. Kameto, t'en penses quoi du reflet? Parce qu'il y a un doute, là. Bah, moi, j'attends la fin, en vrai. Préférez quoi? Je pense que ça va pas faire juste un losange. Je sais pas, moi, je pense... Bah, en vrai, à chaque fois, on est surpris avec les pixels, donc... Après, c'est que la deuxième partie du reflet, elle est faite sans overlay, en fait. Les gens font Bah ouais, y a pas de... à la moitié, en fait, le script. L'overlay. Ah ouais, c'est vrai. Donc les gens, un peu, ils font un peu la one again, beast to fly, là, la fin du truc. Pourquoi elle s'est frite en haut, là? La one again, beast to fly. Il y a une partie qui est... Attends, tu nous donnerais pas que... Elle est en train de s'effriter, en haut. Non, mais il y a une partie en bas qui est dans l'overlay, hein. Ouais, juste la première partie, il y a genre un tiers. Et après, il y a des gens, ils ont rajouté des trucs. Ouais. Oui, on est d'accord que ça y est,
ça y est pas à la base, les trucs rajoutés, c'est juste de l'eau normalement. Non, ouais, normalement, oui. Ouais, non, ouais, la partie à un quart du Dofus, elle n'existe pas. Oui, c'est ça. Là, comme ils le font en entier, ça fait vraiment un losange. Ça fait trop bizarre. Je comprends rien en fait. Les gars, à non, chaque c'est fois, pas on va à la fin, je pense. Bon, y a pas faut mettre du bleu là, hein. Faut arrêter ça. Hein. Arrêtez-vous en fait. Ok, ils sont en train de voir avec le R One Piece pour Sanji. Genre oh eux, c'est des spécialistes de Sanji, genre eux. Ils vont y arriver. Ouais, le R One Piece sont trop forts, faut les laisser faire leur bail. Ah ouais, c'est... Ils nous préviennent ou ils le font, comme ça on prend pas ça pour une attaque. Ouais. Ils sont en train de discuter avec eux, là ils sont gentils. Par contre, j'avoue que ce qui est chaud, c'est que je crois qu'en faisant l'overlay là, ça a complètement modifié les cases de l'Arc de Triomphe aussi. Et c'est chaud si on doit corriger l'Arc de Triomphe, parce qu'il y a des trucs, on n'a plus les bonnes couleurs partout en fait. Je sais pas si vous voyez que si, les ouais. carrés sont décalés en fait. Tout est décalé, ouais, de 1. Et en fait, toute l'Arc de Triomphe est juste décalé en fait. Ah ouais. C'est comme si toute l'Arc de Triomphe était fausse. Non, c'est non, on va ignorer ça, les gars. Ouais, ignorer l'Arc de Triomphe, je pense, pour l'instant. Hop, je me mute une seconde parce que c'est trop drôle. Je vais juste récapituler pour ceux qui n'auraient pas suivi du tout ou quoi, pour un petit peu vous resituer. En gros, là, on a affaire à ce qu'on appelle une Pixel War. C'est organisé par Reddit. La dernière avait eu lieu en 2017, donc il y a 5 ans. Et pendant à peu près 72 heures, il y a plein de communautés, plein de pays, plein de gens qui se battent pour leur image, en gros, leur symbole, etc. Et donc, bah, ça fait du pixel art, comme cette épée, etc. Et ça défend ces endroits. Là, par exemple, vous avez une fleur qui a été faite par les fleurs hier et qui est maintenue. On ne sait pas pourquoi. C'est pas une guerre. Non, c'est mal dit, mais c'est un lieu d'expression communautaire, on va dire. Et genre là, bah, y a une fleur qui a été faite hier qui est défendue par les Néerlandais. Donc c'est super cool. Je ne sais pas trop pourquoi ils défendent ça... les Néerlandais, mais c'est très cool. En vrai, ça fait plutôt plaisir. Ici, il y a une fleur de l'ombre aussi qui a été faite par les fleurs hier du Discord qui est défendue. Au calme. Et ici, c'est un peu le lieu de la francophonie. Alors, il y a un drapeau français, mais en vrai, on est soutenu par exemple par Tonton, qui est suisse. Hein, et on essaye de faire des petits dessins. Donc là, on était sur un Louvre. On essaye. Parce que voilà, c'est chaud. Il n'y a que les FR qui appellent ça Pixel War. Ah ouais, vraiment? Parce que moi, on me l'a présenté comme le nom, c'est une Pixel War. Moi, on m'a dit, on m'a donné ça comme nom, genre en premier degré. Enfin, moi, j'en sais rien. Mais voilà, dans l'idée, c'est surtout du pixel communautaire, tu vois. C'est surtout ça. Et les gens se partagent leur espace, plus ou moins. Ils font des alliances, ils vont à droite, à gauche. Là, il y a STI2D qui ont fait leur colonne. Bon, voilà. les FR disent le truc en ruine, en disant War. Mais du coup, ils appellent ça comment? Vraie question. Du coup, ils appellent quoi? Ils appellent ça comment? Ils attaquent la fleur. Ouais, je vois qu'ils attaquent la fleur. Ça se défend. Je pense que ça se défend. Une pixel place. C'est une pixel place. La air place. Ouais, voilà, ouais. La air place. Le drapeau français qui ruine la terre. Ouais, mais ça, c'est un enfer. Ouais, mais la terre, on a essayé un truc, mais malheureusement... Bon, n'hésitez pas en tout cas à défendre la fleur de l'ombre qui se fait attaquer là par en dessous. N'hésitez pas à défendre si vous avez du pixel. Ça se fait, en vrai ça se défend. Ça se défend, je pense. Ici, on va défendre cette petite emplacement avec le rat, le petit cerveau, la petite fleur de l'ombre. On défend toujours cette fleur en haut, même si cette fleur en haut, en vrai, elle est déjà défendue par les Néerlandais, donc on est bien. On est vraiment bien. Et puis ensuite, là, on est sur un délire de Louvre, ici. Mais genre... en vrai, ça va le faire. Petit à petit. Et le Z-Event. Le Z-Event se fait attaquer parfois, mais ça défend bien en vrai. Ça défend vraiment bien, le Z-Event. Ça défend vraiment bien. Regardez, boum. Ça va être remplacé dans une. Deux. Voilà. Une. Deux. Ça s'est fait. Voilà. Ça se fait remplacer. Donc c'est bien, ça se défend. En vrai, ça se défend. Et la fleur de l'ombre, bah faut continuer à défendre. Faut continuer à défendre. Voilà. Bon, qu'est-ce qui s'est passé sur l'overlay? Je l'ai rejoint. Alors pour ceux qui s'attendaient à mettre des fleurs, malheureusement je pense qu'il n'y aura pas de mettre des fleurs, c'est trop compliqué à gérer avec cette pixel party quoi, si je puis dire. Ça va être trop compliqué à gérer, quoi qu'il arrive. Nous à 16h par contre on passe sur Rocket League avec Onu et Wingo pour Zilan. Voilà, faut que j'ai F5 ou pas? Je pense pas hein, je suis bien hein. En vrai je suis bien hein. Bisous. T'es pas là mais à plus peut-être. Bisous. Ciao. Bisous tonton. Ah bon, je viens de capter qui partait. Qui c'est moi? Alors c'est Jones qui part. Ah bisous Jones. Il est parti. Salut Jones. Ah merde, il est parti. Il est parti, j'ai pas compris. Il vient de partir.
Ouais, ça rend bien là, putain, je viens de F5. Non, c'est stylé, j'avoue que ça fait vraiment reflet et tout avec le vert et tout, c'est trop stylé. Mais tu vois ce que je veux dire au niveau des monuments? En vrai, ça peut être trop beau. Je sais pas si bah je veux F5. Que, ce que tu veux, tu dis en dessous, non? Non, en fait, tu vois, il y a la pyramide du Louvre, après il y a l'autre, enfin ce qui est collé au Louvre, mais en fait, tu fais ça avec tous les monuments que tu voudrais faire, mais tu les mets sur la même ligne, tu vois, tu les alignes comme en fait les graphistes ils nous avaient proposé où tu as les monuments qui sont alignés les uns à côté des autres, tu vois. Sauf que tu le fais avec le même style que la pyramide du Louvre. Tu fais juste une bande comme ça avec plein de petits monuments, comme ça tu as vraiment tous tes monuments et ça sépare avec le truc en haut et ça reste le drapeau en haut, tu vois. Et après nous on place nos autres trucs. Mais après ce bâtiment là, sinon aussi on part sur que du noir comme l'image, tu sais. Et on continue comme ça, on peut dégrader. Ouais. Et on finit en noir. C'est en train de devenir. Tu peux l'argent. Je peux F5, ça a été réglé le bug. Du coup, tu veux. Tu peux F5. Mais moi, je vois toujours Mbappé et Zidane. En fait, ils ont mis l'ancien, je crois. Oui, je les vois aussi, ouais. Mais attends, là, tu veux mettre des monuments pour toute la ligne bleue, c'est ça? Non, pas du tout. En fait, c'est pas sur la ligne bleue, c'est vraiment à l'horizontale. Là, tu vois, on est placé en horizontale, on a le Louvre comme ça, mais tu sais, vraiment aligné comme ça pour séparer, en fait. Comme ça, on a tous les monuments, mais on touche pas trop au drapeau, quoi. Ok. Tu te souviens de l'image des bâtiments qu'on nous avait envoyé tout à l'heure, Kamel? Tu sais, les noirs, là? Ouais. Mais ça, mais en couleur, quoi, avec ce style-là. Je suis à genoux, s'il vous plaît, une attaque des Espagnols, là. Quelque chose. Ouais, j'avoue que ça manque d'action là. Je suis à genoux là, je suis à genoux. S'il vous plaît. Les gars, je suis trop nul en tout ce qui est créativité et tout, artistique. Donc c'est pour ça que je préfère laisser. Je vous laisse décider, genre. Non, mais ça avance. Le... Une petite attaque là, il ne peut pas y avoir un affront qui peut être fait là. Un affront. on fume un bretzel de l'Allemagne ou je sais pas, un délire comme ça. L'Allemagne, ils ont une belle partie quoi. Ils ont un beau truc. Hein. Ouais. Est-ce qu'ils mériteraient pas de voilà. Non, mais faut pas faire ça. Je suis pour la paix, y a pas de problème, mais un petit bretzel qui saute. Bon. Non mais en fait là c'est le moment où tout le monde fait des trucs stylés et après je pense vers dans 1 heure, 2 heures, 3 heures, je sais pas moi ça va péter. Bah surtout que la plupart des gens pensent que ça termine à 16h, donc je pense que ouais, les grosses attaques et les trucs vont arriver, ouais, je pense. C'est quoi le bail STI 2D là qui est en train de bouffer tout le monde? Bah c'est STI 2D qui bouffe et nous, Fleur de l'Ombre, depuis tout à l'heure en bas, on se bat parce que bah ils essayent de... On les fume, non? STI 2D, juste à droite, STI 2D. Ça, on fait que des fleurs. C'est un truc à l'école, non? STI 2D. Ouais, STI 2D, ouais, c'est pour un bac, ouais. Oui. Mais après tranquille, là depuis tout à l'heure ils avancent pas, hein. Juste voilà ils attaquent, ça défend, ils attaquent, tu vois tranquille ils avancent pas, ils sont un peu relous mais tranquille. Mais en fait je sais pas. En plus ils okay, je, juste un truc, le Reddit One Piece il va faire un truc en haut, il va faire Sanji en haut. Vas-y. Mais... À la place de Mbappé. Attends, je vais juste leur dire de pas grignoter. Grignote pas. Pas sur Zizou. Don't grignote des Zizou, please. One Piece. Allez, le Air One Piece, je leur fais totale confiance. Il est pas trop. Il suffit juste de regarder. Ça, c'était des bons. Non, mais ouais, tu regardes. Gold Roger était là, t'es en mode. Ah ouais, Gold Roger. Vous, les gars, c'est obligé, c'est de la frappe. C'est une œuvre d'art. Oh, le monsieur Mime, il se fait éclater là. Ouais, le monsieur Mime est dead, hein, je pense. Ça, ouais, il se fait bouffer. Je sais pas trop pourquoi, mais oui, on pourra le refaire. Il y a le cas, le copier, vous en faites pas. Ah ouais. Ouais, je sais pas pourquoi, mais go focus sur le Louvre. En vrai, ça c'est en train de donner un vrai truc, hein. Ouais, faut terminer le Louvre à fond. Tout le monde sur le Louvre et après c'est barbé, après on peut... Ouais. Après on s'étend tranquille, mais là le Louvre... On garde l'espèce de triangle gris là qui est en train de se faire ou on laisse le drapeau bleu derrière? Je pense qu'il faudrait l'enlever, je suis d'accord. Pour moi, il faudrait l'enlever, j'avoue que sans ça passe très bien le drapeau bleu. Bah disons que sinon ça fera trop photo collé, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est avec le carré de la photo et tout. Ça va mieux le fond. Entre le Louvre et le bâtiment, je pense qu'on pourrait enlever les gris et remettre du bleu. Ouais. Toute cette zone là. Après, ce n'est que mon avis. Ok. Après, faut voir faut bien délimiter le Louvre et remettre juste en bleu l'entre-deux. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font? Bah, je crois que c'est ce que les gens sont en train de faire, c'est clean. Hein. Qu'est-ce qu'ils font? Mais STI 2D, en vrai, ils ont supprimé des trucs stylés, non? Il y avait pas trop de sur le côté là, mais. Il y avait pas des trucs stylés. Mais je crois que c'était un peu comme ce qu'il y a à droite déjà de ce qu'il y a, c'est un peu bah des petits trucs. Bah ouais, plein de petits trucs. Ah, c'est stylé, non, mais... T'as des fresques de monumentales non plus. Ouais, le Ratatouille, ils l'ont mis, c'est incroyable, c'est trop malin. Apparemment, il y a un article de Le Monde qui vient de pop concernant le Airplace. Ah, tu m'étonnes, c'est un peu... En fait, ils enlèvent le Monsieur Mime, c'est parce qu'ils veulent faire le Ratatouille vers là-bas, je crois. Non, mais ça se tient, en vrai, ça se tient, hein. C'est pas choquant, il était... Regarde la dernière image de Rayou. C'est le Ratatouille, c'était pas Ponce.
Mais faut F5 du coup. J'ai F5 là, mais je vois pas de. Non, mais je sais pas s'ils l'ont mis dans le script déjà. Ça, ça se fait un Ratatouille là, il est trop bien, je trouve. Ouais, là, il est trop bien. Il est trop bien. Attends, mais il est où? Vous le voyez, vous? Tu le vois? Bah, sur le. Et Rayo, il a envoyé un screen de la propale. Il a mis un screen, attends, je vais regarder. Je fais un petit F5, histoire de quoi. Ah ouais, ouais, très très bien le Ratatouille là, ouais, j'avoue. Ok, je vois le truc. Stylé là. Très très stylé. Ça bosse les gars, ça bosse, mettez les tuiles. Je regarde, regarde. Putain, j'ai la dalle. Oh, j'ai la dalle. Bah là, ça bosse, hein. On est sur un Louvre quasi fini, hein. Et j'avoue, franchement, ça commence à donner vraiment bien. Ah ouais, ouais, vraiment. Merde, c'est... Le timelapse... Le Ratatouille, il est cool, là. Bon, le timelapse, j'avoue, de quand le Louvre va se créer, regardez, ça va être cool. Let's go. Bon, l'arc de triomphe, c'était quelque chose si vous étiez pas là, mais ça s'est fait hyper vite, genre en une heure aussi. Il est magnifique. L'arc de triomphe, c'est magnifique, vraiment. S'il y a un truc à reconstruire à la fin, c'est ça. Frère. Ouais. Par contre, le Louvre, vous dézoomez, c'est une dinguerie en fait. Ouais, ouais, ouais. Genre, c'est ça rend trop bien. Franchement, c'est mieux sans la zone grise. Ah oui, hein, on est d'accord. Ouais, c'est un truc de fou en vrai. Il y a des gens qui remettent dans la zone grise, mais. Enlever cette partie-là, on va laisser bleu. Ouais, on met pas. Ouais. On redéfinit un petit peu le Louvre. Wow, la propale de Rayou. Tu regardes ça? La propale de Rayou. Oh, mais là, c'est vraiment la France. Wow. C'est pas mal quand même. La France. Oh. Ouais, c'est pas mal, hein. Et là, il est corporate, le... Moi, je trouve ça trop... Moi, je trouve ça trop ouf, en vrai. En fait, je trouve ça c'est beau, mais c'est corporate, là. En fait, je trouve que c'est trop sérieux, et je trouve ouais, que c'est... Ouais, c'est sérieux. C'est serious place, ouais. En fait, pour moi, ce qui fait la beauté du truc d'Internet, c'est de pouvoir faire des trucs un peu troll, tu vois. Et genre, là, ok, c'est beau, mais... Faire des petits côtés beaux et ensuite, je sais pas, faire un truc genre Titeuf qui vomit ou des bails comme ça, c'est beaucoup... Oh, Titeuf qui vomit. En fait, c'est beaucoup. En fait, c'est ce que les gens du Discord K-Corp ils proposent, tu vois. Mais en vrai, c'est beau, mais ça manque de. Enfin, je sais pas, on n'est pas à 100% dans un musée, tu vois. Genre, il faut mettre un peu de folie, ouais. Et je trouve que là, on se fait chier, quoi. Mais en fait, c'est beau. Les mecs qui font les trucs des musées, des trucs sérieux et tout, c'est le Air France qui font ça en haut, tu vois. Et c'est... Oui, et voilà, et aussi le Air France, ils font plein de trucs de fou, et il y a quand même eu une bonne partie avec le Louvre, quoi. Mais je pense qu'ils montent, enfin... Franchement, ça manque de folie, ouais. Il y a des très belles refs à faire, je trouve. Ça manque de folie, là. Mais il faut pas faire que des refs comme ça. Pour moi, ouais. En fait, il faut se mélanger, et il faut aussi laisser au Air France leur rinter, quoi. Parce que le Air France, ils font des trucs, vraiment, ils ont fait Notre-Dame, ils font des trucs comme ça, donc faut pas leur prendre toutes les idées comme ça, je trouve. En fait, ce qui est cool, c'est que moi, je suis d'accord avec toi. Par contre, au niveau de la compo, c'est très propre. Tu vois, genre, tout est bien distinct. Moi, j'ai juste peur que nous, on fasse des trucs très fouillis parce qu'on va en mettre partout. Donc, je pense qu'il faut qu'on garde nos idées. T'as trop raison, mais je pense qu'il faut qu'on les dispose de façon plus clean. Non, mais il faut les... Enfin, en fait, il faut faire des trucs un peu, genre, je sais pas, il faut vivre, tu vois. Genre, là, on vit pas, là. Là, on est là. J'ai envie de te battre, c'est tout. Mais un peu plus de ta vue. De... Non, mais genre, ouais... Je sais pas, genre là, on vit pas, tu vois. Genre là, il faut mettre. Monsieur Mime, c'était un bon délire, il a été éradiqué. Ouais, j'avoue, je sais pas qui l'a détruit, mais il a été. Ils vont mettre Ratatouille. Parce qu'il y a Ratatouille. Ah ouais, c'est Ratatouille à la place, ok. Mais Titeuf. Ouais, ça manque de folie quand même. Là, il est. Il est réaliste, quoi, le Rayman, des Shrek, des trucs comme ça. Ouais, voilà, des Shrek. Mais attendez. Faut mettre Titeuf qui vaut. On est d'accord que si Titeuf s'essuie, on s'en fout, il y a Tonton avec nous depuis le début, là. C'est bon. Genre on est ensemble, enfin. C'est la Franco volée, Idiot. Vas-y, moi je prends une carte vitale, j'en ai plus rien à foutre, ça me saoule. Vas-y, je fais une carte vitale, j'en ai rien à foutre. C'est bon, ça me saoule. C'est exceptionnel, mais mec, une carte vitale, putain. C'est une dinguerie, mec. Oh mais je sais pas, c'est à chier pour. Moi je fais un franc prix, ça y est, c'est bon. Vas-y, voilà. Ça c'est bon, ça. Là j'ai une carte vitale, là j'ai une vraie carte vitale. Un énorme sbar, il fait un truc vénère là, genre. Bah une carte vitale, gros, boum. On se fait rembourser, mec. Bon, F5 les gens. Mec, j'avance même pas les frais. Tu te rends compte? Non, carte vitale, carte vitale, j'avance aucun frais. Ça fait un peu une heure qu'on chie dans la colle quand même, on avance pas. Ouais. Non, on a un Louvre, attendez, on a un Louvre, ça va. Faut prendre des décisions là. Carte vitale en 10 minutes, c'est fini là. Moi je suis chef des armées, moi, donc. Voilà, carte vitale, moi je suis en train, voilà, là vous faites ce que vous voulez.
J'espère. Faites une carte vitale. Allez, vous lancez Draen Elden Ring, moi. Moi, je suis là si ça se tape, mais pour créer des trucs artistiquement, je suis nul. Côté la légende, Titeuf qui tire. Attendez, c'est pas là, c'est le. Ah, on arrête tout, c'est le. Ils vont faire un truc ici, je crois, le One Piece, non? Y'a pas un truc comme ça? En haut à droite, on abandonne. En haut à droite, touche rien, ouais. Excusez-moi, c'est la carte vitale qui se fait en haut. Ouais, excusez-moi, attendez, une nouvelle carte vitale. Ah non, mais putain, non, mais frère! Pardon, ça va! C'est bon! C'est contre nous, sale chien! Mais on reprend! Mais quoi, t'as dit qu'on se faisait chier il y a 10 minutes, c'est bon! Oui, mais. Bah voilà! Les Sanji quand même! Voilà, mais c'est bon, ça part. C'est bon, One Piece. Là, frère, t'as voulu mettre une ambiance dans une soirée de 200 000 personnes en faisant une carte vitale, là. Ben, mec, en vrai, c'est en train... Regarde l'ambiance de fou, En train de partir, là. Regarde l'ambiance de fou. Moi, je suis trop chaud de la carte vitale. Regarde l'ambiance de fou. Putain, let's go, la carte vitale. Allez, le... Oh, c'est bon, frère, c'est bon. C'est bon. Carte vitale, c'est bon. T'es le meilleur, mec. Je fais tellement vite. Oui, oui, la carte vitale. Voilà. Ça, c'est ma France. Ça, oui. Les gars. Le Franprix, c'était oui aussi. Ouais, le Franprix, ça part direct. Hein. Hier, j'ai vu sur Twitter, on va dessiner Iniesta tout nu. Comme ça, les Espagnols vont parler. On touche pas Iniesta. Iniesta tout nu. C'était bon, le play. Attends, c'est trop petit, non? Ah, pardon, tous les sens. Voilà, carte vitale. Mais ils la font encore plus grosse que sur mon live, c'est pas ça du tout, je te jure. Ah, là, ils abusent de la taille de la carte. Elle est huge. Je suis d'accord, ouais, y'a pas de problème, mais vas-y là. Mais c'est. Ils la font plus grosse que moi, je te jure. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a une personne dans le monde qui sait à quoi ressemble la carte vitale française? Mais non, c'est ça qui est bon. Je vais pas te mentir, j'en ai aucune idée. J'aime pas quoi dire votre carte vitale, mec. Non, mais c'est surtout, ils en ont pas l'utilité, ils savent pas ce que c'est. C'est une carte d'assurance famille ou c'est quoi? On s'en fout qu'ils sachent, on s'en fout. Attends, je suis en train de voir, du coup, Sanji, il arrive quand? J'aimerais tellement qu'il y ait Sanji. Et y'a un pixel art de Népal en vrai. Vas-y, envoie, je vais le calquer, moi, je vais le faire. Il est trop stylé, regarde Kamel. Genre celui-là, là. Hop. Ça fait une belle carte vitale, là. Juste, je finis mon top 1, là. Il y a des gens qui disent rajouter sur la carte vitale free health, mais bon. Wow, non, c'est trop long, je pense. Hein. C'est déclaration, là. Ouais, c'est un peu la guerre, quoi. Mais bon. Ouais, là, c'est déclaration, là. T'as vu Kamel sur le ouais, truc ouais, information vu, incroyable. Il est stylé de fou, en vrai. Ah ouais. Les Among Us, on verra, les gars. Il y en a partout, les Among Us. On les élimine au fur et à mesure. On le fait où? Népal, du coup? Ouais, je vais le calquer. Mais non, mais par contre, stop me dire que je ruine tout avec ma carte vitale, il se passe rien. Genre, il se passe rien, c'est ouais, bon. Ouais, non, je suis d'accord, la carte vitale est bien. Genre, c'est bon. Ouais. Pour l'instant, on est en stand-by un peu. C'est pas comme s'il y avait plein de trucs à faire d'un coup, là. C'est chaud, la carte vitale, là. C'est chaud, là. Par contre, Népal, c'est une masterclass. Ouais, genre, Népal, il est vraiment stylé. Je voulais le faire en haut à droite du drapeau blanc. Ouais, je pense que c'est stylé comme ça. Ah, ouais. On est un peu plus grand quand même. Ah, on est un peu plus grand, ok, parce que je voulais pas déborder sur Zizou. Tu le mets sur l'overlay ou tu le montres juste? Non, ça je pense, ça a rien de faire le script, non? Je pense que les gens peuvent y arriver. Hein, ouais, 100%. Mais qui met des points rouges sur la carte vitale en vrai? Il y a masse points rouges sur la carte vitale. Les gens qui ça, c'est les anti-cartes vitales là. Les anti-cartes vitales. Soyez fiers! Mais allez vivre aux États-Unis si vous voulez pas de carte vitale, putain! Laissez-les! C'est juste des gens qui sont pas là et ils défendent parce qu'ils voient ce truc et ils se disent what the fuck. What the fuck, une carte vitale, bro? Qu'est-ce que c'est ce bordel? En vrai, elle prend vraiment forme, elle est belle. C'est le Népal qui est passé en haut là? Ouais, là, attendez, je vous montre aussi. Chat. Il va être presque trop petit si tu fais juste un truc isolant. Le Discord de Kamel est anti-carte vitale. Mais non, mais c'est trop pratique. Arrêtez de dire ça, vous êtes des fous. Non, par contre, les gars, c'est une dinguerie. Ce que veut faire le Discord One Piece, c'est une dinguerie. Regardez. Faire quoi? Regardez, c'est une dinguerie ce qu'ils veulent faire. Ils ont besoin d'aide ou pas?
Bah pour l'instant il s'en sort très bien tout seul. Ils veulent juste clear, regardez ce qu'ils veulent faire. En dessus là? Ouais. Attends, c'est les mains en dessus? Bah oui, mais c'est ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ils veulent faire, tu sais, la scène One Piece où tout le monde lève le bras. Bah ouais. La planète, ça veut dire qu'il faut céder la planète. Bah ouais, il y a pas grand-chose, de toute façon, c'est parti. Hier, on le cède à OFC One Piece, c'est juste qu'ils nous ont rien dit, ça veut dire... Franchement, ouais. Moi, je trouve ça incroyable, mais... Ouais, je m'en couche, moi j'aime bien. Et en vrai, on peut leur céder la planète, hein, je pense. Moi, je pense que c'est trop. De toute façon, ça partait déjà en couille, hein, donc... Soit il y a ça, ou soit ils font que Sanji, quoi, mais... Désolé, mais le projet en haut, il est trop lourd. Mais est-ce que du coup, juste pour donner un petit coup de sang, on ferait pas une attaque sur la planète où on met tout en blanc pour leur cleaner le truc, juste pour se détendre? Bah, le truc, c'est que... Là, pour l'instant, faut voir s'ils font que Sanji. Parce que clean tout ça, ça peut peut-être être une... Eh hey, mais en vrai il se passe rien, laissez-nous faire une carte vitale, on l'enlèvera après. Il se passe rien du tout, genre laissez-nous tranquille. C'est gentil la petite carte vitale. Après elle sautera. Genre elle va sauter de toute façon, on s'en fout. Mais elle sera dans le timelapse au moins, pensez à ça. Mais oui, on s'en fout. Ah il arrive Népal hein. Bah moi y'a un truc de One Piece qui va se faire, j'ai rien à foutre. On m'a dit il est trop petit, celui que j'ai mis. Non mais je pense qu'il faut faire le truc de One Piece hein. Genre le dessin est trop stylé. Moi je trouve que c'est cool, j'avoue. Ouais, moi je suis chaude de le faire et je suis chaude de faire entre guillemets une attaque sur ce qu'on avait déjà fait juste pour se... Au-dessus ? Ouais, tu sais, le tout en blanc d'un coup juste pour soulager un peu, tu vois. C'est vous qui l'avez fait la planète, donc c'est pas comme si on détruisait... C'est nous qui avons tout fait. On met tout blanc pour qu'ils puissent faire la fresque ? Ouais, go. Ok. Et c'est quoi ce qui commence à... Le truc noir là à côté du Louvre ? Ça continue là ? Je peux pas dézoomer moi. Moi non plus, je peux pas dézoomer. Ah, je peux. Je suis bloqué sur une carte vitale, gros. Je peux rien faire là. La carte vitale, elle est bien. Apparemment, quand on dézoome au max, on voit vraiment une carte vitale, ça me fume. Ouais, vraiment. On clean tout blanc. Ouais. Au-dessus, vous cleanez tout blanc? Ouais, yes. Comme ça, on leur laisse la place. Comme ça, ils auront pas besoin de clean avant de commencer, je pense. Et ben, genre les gens qui mettent rouge sur la carte vitale, allez mettre blanc au-dessus, s'il vous plaît. Genre vraiment. Ouais. Ça sert à rien. Elle va disparaître la carte vitale, vous en faites pas. Ça va super vite, c'est délire. Ça manque un peu de chaos quand même. Bon, je décolle, frère. Je vous donne les infos en vocal, sur le channel. Qu'est-ce qu'il y a? Grand respect. Bisous, Rayou. Bisous. J'ai pas compris. Non, mais parce qu'il faut que j'aille manger et il faut que je joue. Ah, mais nourris-toi, mec. Il faut que j'aille manger, il faut que je joue. Je mange aussi. Faut que je joue, donc... Après, je vais manger, sport. Vas-y, genre, juste, je vous donne les infos par écrit, c'est plus simple. De toute façon, en vocal, ça change rien de donner les infos. Vas-y, bisous, Rayou. Les gars, n'ayez aucune crainte, vu qu'on va faire le One Piece en haut et qu'ils vont pas faire Sanji. Il va se passer un truc à droite, là, on va faire Népal à droite, parce qu'on a pas assez de place au-dessus de Zizou. Ok, c'est bon. On voit comment ça rend. Si ça rend bien, on laisse. Si c'est nul, on enlève. Mais je pense que ça va être la frappe. Prendre, faut arrêter vraiment le rouge sur la carte vitale. Il se passe rien. Laissez faire ça. La carte vitale, vous rendez ouf. Ça va partir de toute façon. En haut, il se passe des dingueries. Allez mettre votre carré blanc en haut. Et après, on fait ce qui se passe en haut. Et les anti-cartes vitales, une terre vitale. Mais putain, laissez les cartes vitales. En mode, c'est un truc de ouf. Le Louvre est carrément pixel, ça fait plaisir. Je sais pas exactement comment... Ouais, c'est vrai qu'il continue, j'avoue que ça a ralenti un peu de ce côté-là. C'est pas mal du tout, c'est pas mal. Ah, et Kamel, t'es parti à droite, c'est ça, avec Népal? Ouais, j'avais pas assez de place au-dessus du crâne de Zizou. Ouais, parce qu'il est assez grand, je pensais bien qu'il soit en entier quand même. Il est stylé. Mais en vrai, s'il est bien fait à la fin, ça va être trop stylé. Bah, vu comme il est. Ouais, si t'arrives à le reproduire, c'est carrément pixel. Carte vitale égale politique. Ouais, mais quoi? Mais arrêtez! Ça va, ça. Mais quoi? Et bon, là, pas. Mais depuis qu'on est né, elle existe, genre, on a jamais rien fait pour ou contre, enfin, genre. Hein. Là, ça cherche des... Ah, genre, c'est une carte vitale, quoi. Genre, c'est ce qu'on te donne quand t'as 16 ans, je sais pas.
quoi? Mais comment on peut attaquer la carte vitale? Je sais pas. Après, en vrai, elle a un vrai flou, la carte vitale. Mais oui. Oh, putain, le Louvre. Wouah. Non, les gens disent il est dégueulasse. Moi, je le trouve incroyable. Le Louvre. Wouah. Il y a un vrai, c'est juste un vrai truc. Encore, ça fait un peu, tu vois, posé là sans rien, mais... Mmh. Oui, c'est ce que je disais, c'est le fait d'harmoniser tout qui peut être un peu foireux, ça, mais sinon il est trop beau. Ouais. On va limer les choses les unes entre les autres. Entre elles, pardon. Mmh. Non, il est stylé, j'avoue. C'est détruit, ouais. Non, c'est normal, c'est normal, c'est nous. Le Air One. Ils mettent du blanc partout. S'ils veulent qu'on clear tout au-dessus pour qu'ils fassent le dessin là. Le dessin, il peut être trop incroyable. Si vous avez une tuile là, on clean tout blanc. J'ai mis tout pour blanc. Le Reddit One Piece. J'ai mis mon truc blanc. Merde. Ah ouais, mais je peux plus. Donc, vous voyez la sauce, hein, tout le blanc ici. Ah, apparemment, on nous dit que le rouge, ça serait sur la carte vitale, c'est peut-être des gens qui laissent tourner un script. En n'étant pas là. Ah ouais, en vrai, c'est peut-être ça, en fait. Ouais. Peut-être. En fait, après, c'est peut-être des convictions aussi. Si tu veux son script, imagine, ça veut dire que si tu touches pas, ça va être rouge à vie. Mais c'est vrai qu'il y a le script, c'est vrai qu'il y a le script où moi-même, tu vois, je vois qu'il faut mettre du rouge, quoi. C'est ça, le truc. Mais oui. Anti-carte vitale, mais what the fuck, putain. Et apparemment, ça serait peut-être pareil pour le monsieur mime. Comme il n'était pas sur la télé. Après, il y avait peut-être des anti-monsieur mime, hein, tu vois. Genre, c'est hyper politique aussi, je comprends. Hein. Genre. Monsieur mime, à la limite, je peux comprendre, mais la carte vitale, franchement, s'il y en a qui kiffent payer 1500 balles pour des dents. Il y a des bas sur la carte vitale? Bah, écoute, apparemment, il y a des gens qui veulent pas qu'on fasse une carte. Une carte vitale, quoi. Mais je sais pas, on s'emmerde, donc on fait un petit truc, tu sais, je sais pas. Ah, moi, je le vois comme ça aussi, hein. C'est genre vraiment pour le timelapse et elle sera visible. Et oui, après, elle disparaîtra et terminée. Bonsoir. Bah, c'est vrai que si des gens suivent pas les streams, qu'ils ont l'overlay, bah, y a pas le mime et tout, donc peut-être qu'il y a un problème. J'avoue. Plus que le volet, quoi. Oui, en vrai, y a ça. Où est Charlie, c'est français aussi, non? Ah, mais il est déjà fait. Il est déjà, ouais. Un gros gilet jaune. Où est Charlie? Ouais, y en a un en haut à droite, ouais. Ouais. Oh, il y avait propre la carte vitale là. Ça met des loups, mais je comprends même pas comment une carte vitale peut faire autant débat alors que de toute façon ça va disparaître. On s'en fout. Enfin, genre, ouais. C'est bon. Vous allez vous en remettre, vous en faites pas, ça va le faire. Ouais, carrément. Ça va aller. Je crois que vous vous rendez pas compte, Chad, de ce que vous voyez là n'aura probablement à 80% rien à voir avec comment ça finira. On s'en fout, genre. la guerre arrive, Chad. La guerre arrive. C'est un truc de fou. Il y a un drapeau de la francophonie qui existe ou pas? Ouais. C'est un rond avec 5 couleurs. C'est un peu Google, mais en rond. Ah oui. Ah, putain, oui, j'avoue, ça fait très Google, ouais. Ah, il est pas très facile à refaire aussi, je pense. C'est vraiment très rond, quoi. Ouais. En haut à droite, c'est Népal, chat. Ça. Oui, on commence à se faire attaquer par des Among Us sur le haut de l'Arc de Triomphe. Le Minitel. Je sais pas. Minitel, c'est chaud. Hein. Vous saviez que le Minitel, c'était français? Ah, ok. Allô? Ouais. Ouais, excuse-moi. vous saviez que le Minitel, c'était français? Non. Vite fait. Sans plus, mais... Ok, ouais. Donc, je sais pas de me savoir. Ok. Il y a un fight qui est en train de s'organiser sur l'Arc de Triomphe. Il y a tous les Among Us qui sont en train de se faire tège. Très bien. Très. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait une chier d'Among Us. Ouais, ils montent la carte vitale. C'est pas facile. Ça me détruit. Hello, merci. Sinjul en tranquille. Sinjul. Ouais, un petit Sinjul en tranquille. Je pense que c'est rapide à faire et tout. Et même, c'est pareil, ça peut sauter, mais ce sera dans le timelapse. En vrai. Ça vous chauffe de fou, en tout cas. En vrai, ouais. Moi, je suis chaud, hein. Mais... En plus, Jul, je crois que c'est bien aimé par les Espagnols, donc je te dis, c'est peut-être, tu vois. Genre avec le petit signe des doigts, là. Ouais.
Au-dessus de la carte vitale. Non, vraiment, juste au-dessus. Moi, je fais juste le combat. Je suis en mode mercenaire. Moi, je suis suisse. Donc, on met ce que vous voulez. Moi, je suis. Là, dans la petite zone bleue en haut à gauche. Là. Il n'y a pas de problème. Petite zone bleue, le bleu, pour la mer, tout ça, Marseille. Il y a déjà un Daft Punk. Ok, alors. Bon. Ah, il y a déjà un Daft. Je tente un truc. Il y en a déjà qui est... En plus, il est plutôt très bien fait. Il est juste petit, quoi, mais il est giga bien fait. Je sais pas, attends, j'essaie de réfléchir en tant que Suisse. Qu'est-ce que... Il y a de cool en tant qu'image image représentative de la France. Hey, pourquoi on mettrait pas, genre, les Alpes? Tu sais, des montagnes en bas. Bas, si on sait les montagnes derrière, tu vois, derrière le lac de Triomphe, genre... Tu sais, les Alpes des... Genre, les... Je sais pas. Ça, c'est un peu chez moi, aussi. Ouais, bah ça peut, mais je sais pas comment l'amener, tu vois. Et surtout, où? Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, peut-être en bas, tu vois, juste sur le bas, peut-être comme s'il y avait des montagnes derrière, je sais pas. Derrière l'Arc de Triomphe. Je sais pas. C'est vrai qu'il y a, je sais pas, mec, des montagnes. Tu vois, déjà, le Louvre, c'était chaud, hein. Mais ça rend magnifique, hein, avec les couleurs, mais c'est chaud, genre... Les gens, ils sont prêts, hein. Mais la montagne, ça va être le même problème, hein. Ça va être le même problème, hein. Faudrait surtout avoir un overlay, quoi. Mais ça peut peut-être être stylé. Mais après, je veux pas imposer mon avis à tout le monde, quoi. Bon, mais mec, de toute façon, on se fait chier, on fait rien. C'est le but, hein. On s'en fout, on dessine. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais trop chaud. Tu vois l'espace en bas de l'Arc de Triomphe et en dessus du start? Tu sais, là, ouais. Je trouve que là, sur la hauteur qu'on a, tu sais, à peu près 10-15 pixels, là. Et de gauche à droite, je verrais trop des petits cyclistes, hein. Tu sais, les uns après les autres, Tour de France, tag. Mais genre, à la verticale? Non, de gauche à droite. En horizontal. Ah, genre, qui vraiment sur start. Ouais, tu sais, en mode 2D. En dessus du start, qui roule sur la petite barre noire du start et tout. Bah, en vrai, ça peut, hein. Tu sais, des petits vélos. C'était un peloton, tu sais. Ça peut. Je crois qu'il y a le script pour... Je bug. Je crois qu'il y a le script pour Ratatouille. Ou un petit train. Ouais, le TGV. Ou un petit TGV. Ou un petit train, ouais. De gauche à droite. Petit train ou petit cycliste. Moi, je suis chaud. Cycliste, c'est une bonne idée, en vrai. Cycliste, c'est une bonne idée, je trouve. On est fait bien en 2D, tu sais, bien stylisé. Juste, tu sais, les roues, comme ça, de... Tu sais, ils regardent vers la droite, genre. En 2D. Mais genre, tu penses pas plutôt que... Il y a le script, hein, si jamais, pour Ratatouille, pour ceux qui sont chauds. Mais si jamais, tu penses pas plutôt sur le côté en verti... Ah, c'est en train d'être fait. Ouais, je vais refresh, là. Apparemment, le script Ratatouille, hop, les gens. Let's go. Ouais, mais sinon, tu sais, moi, j'imaginais plutôt que sur start, à l'horizontale, j'imaginais à la verticale, le long du cadre, tu vois, qui remonte. Ouais, après, ça veut dire qu'il roule... Oui, c'est pas un sens... oui, c'est pas un sens possible, oui. Ah, vous l'avez peut-être essayé au pire. Mais il bug encore mon script, c'est pas possible. Alors attends, il est par la vitesse de l'éclair. Nice, ça prend forme. Mais moi j'ai l'impression qu'il bug de fou. J'ose rien toucher parce que je crois qu'il bug mon truc. Il va trop vite, hein, il est nickel. Ça se bosse, hein. Vas-y. C'est bien ça, les gars, ça bosse. Je sais pas s'il sera assez bien défini. Je sais pas si on verra bien les détails dans le visage. Bon, après, les gens utilisent pas le bon gris, donc... Attends, je fais CTRL F5, je pense, ça sera mieux, en vrai. Faites gaffe, les gars, c'est un gris plus clair, ici. Il y a deux gris différents, là. Il y a un peu de clair à mettre. Moi, je sais pas pourquoi. Genre, ça bug, je crois. Je crois que c'est toujours... J'espère qu'on a le bon gris. Voilà. J'ai l'impression que les gens font... Est-ce qu'on a ce gris-là? Est-ce qu'on a pas le bon gris, peut-être? Le void se rapproche un peu du The Event, mais après, oui, ils veulent pas le toucher. Merde, il faudrait remonter. Il y a pas le bon gris, apparemment, le gris clair qu'on doit mettre. Bah ouais, c'est ça, c'est pour ça. C'est soit trop clair, soit trop foncé. Merde, c'est-à-dire qu'il faudrait corriger ça. Pire, faites le reste en attendant, mais on n'a pas le bon gris, ouais. Oui, on sait que l'overlay était décalé sur l'Arc de Triomphe aussi, faut pas trop la toucher, je te... Ouais, moi c'est full décalé, je peux rien faire en vrai. Eh, Ratatouille, il commence à être pas mal, hein. Ouais, il commence à être rigolo. De couleur, apparemment, le gris n'existe pas, le gris de la tête. Tu sais, le gris clair de la tête, là. Ah, merde. On a soit le trop clair, soit le trop foncé, mais on a pas l'entre-deux. C'est quoi le mieux? J'ai l'impression que plus clair, c'est cool. Soit faut refaire le script, ou soit, je sais pas, soit faut choisir. Non, peut-être plus foncé. Je sais pas ce qu'on peut faire. Mais celui de la tête, en tout cas, on a pas ce gris-là.
Bon, j'espère que les gens vont s'en remettre de la carte vitale. Ça a l'air vraiment de faire mal à beaucoup de gens. Bon courage pour cette épreuve difficile. Ah, mais c'est des gens qui sont un petit peu, je pense, un petit peu stressés. Et je comprends, une carte vitale, c'est un peu stressant, bro. Enfin, genre, c'est chaud, quoi. Mais en vrai, elle sautera, c'est pas grave. Mais oui, mais de toute façon, tout va sauter, on s'en fout. Enfin, tu vois, genre, on s'en fout les couilles. Au bout d'un moment. Elle va disparaître. Foncé, tiens, juste pour voir, enlever le clair, là. Je pense qu'il est un poil trop clair. C'est peut-être mieux le foncer. Quoi ? Parce que ça donne visuellement de loin. Ah, il est magnifique. Ouais, juste la tête en fait. En fait, tout ce qu'il y a depuis le début, ça disparaît au bout d'un moment, donc c'est un peu le principe quoi. Par contre, c'est magnifique. Là, il y a déjà de l'action, il y a des trucs qui se créent, c'est mieux. Mais là, c'est du rouge en plus. Mais moi, c'est vous savez que mon script est full buggé, full buggé. Genre, moi, ça marche plus du tout. La petite queue qui dépasse sur le cadre, ça, c'est beau ça. C'est très mignon, ça, c'est très mignon. Là, c'est la seule queue qu'il faut voir sur ce drapeau français. Celle de Ratatouille. C'est beau. Vous voyez aussi du cordon sur Ratatouille, sur le corps. Hein ? Non, justement, je disais, c'est la... Ah ouais, il y a un truc qui se dessine là. Je vois du Bordeaux et pas le gris foncé là. Putain, mais je peux rien faire, ça me saoule. Ah, il y a un petit truc qui se dessine sur Ratatouille, si on peut éviter là. Ok. Bizarre, j'ai l'impression qu'on n'a pas tous le même. Non, mais je crois qu'en fait, on n'a pas tous le script, surtout pour moi, par exemple, le script n'est pas actualisé chez moi. Ouais, moi, je viens de F5. Moi j'ai F5, j'ai contrôle F5, ça il se passe rien. Mets du gris foncé à la place du Bordeaux. Contrôle F5. Ah ça y est, ça s'est actualisé. C'est bon. Même Shift F5, hein, ce que j'ai fait tout à l'heure, il s'est rien passé. Hein. Ah ouais, contrôle F5, ça. Ou alors je peux peut-être désactiver. Je désactive réactif et je joue F5. Ah ouais, les couleurs sont bonnes. Et il y a même le bon gris en plus pour le haut. Ok, c'est parfait. Contrôle F5, my bad. Putain. My bad. Putain, moi ça marche toujours pas, mec. Très très bien. Ah, c'est bon, ça marche. Ça marche, mais j'ai l'impression que ça décale tout l'arc de triomphe en fait. Ouais. Faudrait. S'il y a une attaque sur l'arc de triomphe, on est mal. Parce qu'on n'a plus du tout les bonnes refs au bon endroit. Le problème, c'est que là, effectivement, on fait plein de petits trucs partout, mais on s'éparpille surtout. Et du coup, il faut juste qu'il y en ait qui surveillent. Ah, mais attends, mais ils ont supprimé Népal, non ? C'est. Ah ouais ? What ? C'est Kamel qui est en train de le faire, peut-être qu'il l'a enlevé. Je pense, c'est pour le truc de. Ils veulent faire le truc de One Piece, je crois. Ah oui, c'est pour ça. Ça a débordé un petit peu jusqu'au crâne de Zizou, je crois. Je pense. Oui. Attends, mais il y a des gens, ils sont en train de continuer le drapeau en haut dans le blanc maintenant. Les gars, faut pas. Il y a pas besoin, il va y avoir la carte vitale, elle est en train de se faire détruire. Mais on s'en fout, en vrai, elle a été faite, on s'en fout, tu vois. Genre, il y aura d'autres choses, c'est pas très grave. Là, elle est en train de se faire détruire. C'est pas très grave. Rip la carte. C'est pas grave, vous allez payer vos soins, il y a pas de soucis. Les gars, on m'a dit que les Espagnols étaient en train d'attaquer la carte vitale. Ah ben voilà. Bah non, c'est pas la carte vitale, c'est pas les Espagnols. C'est les Espagnols, mais en tout cas, elle se fait. Il nous prend pour un con. Elle se fait super plus vert. Kamel, t'es espagnol ? Non, mais on m'a dit ça, moi j'ai réagi, moi. Bien sûr. Bien sûr. Bah c'était court. C'était on est plus protégé, putain. Manger la carte. Le ratatouille, il est trop bien. Le ratatouille est terminé, mais il était facile, le ratatouille. Hein. Il était trop facile. En vrai, t'avais raison, pour s'il est grave, mieux celui-là. T'as raison. Bah ouais, il est plus simple avec la petite cuillère et tout, il est mieux. Hein. Incroyable, le ratatouille. Ah ouais, le ratatouille, c'est bon. Le trait qui est en train d'être là. Où ça ? Ah, à côté du Louvre. Ouais, c'est ça que je disais tout à l'heure, je sais pas pourquoi il y a ça. Il y a un méga. Un petit peu d'ombre de la queue de Ratatouille, les gars. Je compte sur vous, l'ombre de la queue de Ratatouille là. Oh non, en vrai, avis comme ça, mais vous trouvez pas, c'est pas. Ah, c'est bizarre un peu que le monument il passe sur la bande blanche un peu. C'est les pas... gars, défendez. Non, mais il passe pas sur la bande blanche normalement. Bah là, il est dessus là. Ouais, mais là, le trait là, c'est pas le monument en fait. Tout le trait noir ? Quel trait ? Ouais, c'est pas ça. C'est quoi alors ça ? Bah, c'est une attaque en fait, c'est le Void. Où ça ? Ah ouais, c'est enfin, le Void ça ? Le Void est en train de nous attaquer. Ah, le milieu noir ? Ouais, le milieu noir, c'est pas, oui, okay. c'est pas le Louvre, en fait. Je viens de voir sur le site. On déglingue. Ça se défend, hein. Touchez pas au Louvre, par contre. Hein. Touchez pas au Louvre. Allumez ça. Là, on défend. Je le trouve vraiment trop beau, le Louvre. Le Louvre, il est trop beau, mais ça mange quand même sur la bande blanche. Il y a un truc qui va continuer ou pas ?
C'est bizarre que ça mange dessus, genre. C'est ce que je disais tout à l'heure à Ava. À mon avis, il y a peut-être un truc à faire. On va refaire le drapeau. Il y a Zizou. Zizou, il disparaît, hein. C'est fini, je pense. Non, pas Zizou. Ah, Zizou, c'est fini. Hein. Il s'attaque à Zizou là. Ben là, ouais. Bah, Zizou, mec. Bah, regarde, Zizou est attaqué. Dites-moi ce que vous en pensez. Zizou, c'est fini. Vous savez, l'enchaînement de bâtiments sur. Tu sais, un peu juste. Oui, mais juste. Il faut sauver Zizou. On met ça à la suite du Louvre. Sauvez le crâne à Zizou. Sauvez le crâne à Zizou. Donnez des cheveux à Zizou. Les gars, sauvez Zidane. C'est plus important que le Louvre. On est obligé de sauver Zidane. Après, on peut faire une variante de Zizou sur le coin en haut à gauche comme tout à l'heure, tu vois. Oui, un petit Zizou. Oui, un petit Zizou. Vas-y, le grand Zizou comme ça, là. Ah ouais, mais on a plus script, il se fait détruire, on peut rien faire. Mais pourquoi il prolonge le drapeau en haut par contre? Ouais, arrêtez de prolonger le drapeau, arrêtez de prolonger le drapeau, les gars. Oh non, 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 oh c'est One Piece là, en haut. Ah ouais, là sinon. Pour One Piece en haut. Oh, oh non, non, là, c'est là, One Piece, là, non, là, non, là. Pitié, il faut du blanc pour laisser One Piece travailler, blanc, s'il vous plaît. Mettez plus blanc, les gars. S'il vous plaît, du blanc. Non, mais là, même les chats, ils veulent la guerre là. Non, non, mais c'est trop important de laisser. Mais limite, faut l'intégrer à notre script, je sais pas. À notre overlay, pardon. Ouais, c'est ouais, trop important. J'ai du bleu partout là. Stop, blanc. Et pourquoi tout mais est décalé sur l'arc de triomphe? Ça, je comprends pas pourquoi. Non, ça, je pense qu'on ignore. Je pense que pour ça. Faut ignorer. Ouais. Mais j'avoue que ça fait mal à la tête. Ah oh, merde, c'est moi. Désolé, bonne soirée. Deux. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est moi les travaux, du coup. C'est de la merde. Okay. Non, non, c'est bien. Oh, ratatouille. Il est trop il bien. Il est parfait. Mais il est trop bien l'onglet là en plus, c'est parfait. Les gars, clearez le haut à fond. J'aime pas One Piece. Ouais, on reste. Bon, je suis prêt. Le One Piece, ça me fume. Tu es mute? Mais non, je suis pas mute, je suis mute les gars. Non, on t'entend. Ouais, hey, on m'entend les gars ou pas? Ouais, on t'entend. Ouais, c'est bon. Ah, c'est bon. Ouais, on t'entend. Ça me termine des alliances One Piece XPI pour défendre. C'est n'importe quoi. J'avoue. Ah, les communes. Ok, j'ai une tuile. Par contre, vous avez mis en noir, les gars, le dos de Ratatouille. C'est pas joli, non? C'est pas noir, les gars. Il n'y a pas besoin de faire le tour en noir, je crois. Non, ouais, c'était pas écrit. C'était pas un crime. Hein. C'était pour qu'on le voit de plus loin, je pense. En vrai, ça peut le faire, hein. Oui, en vrai, quand tu... Oui, c'est une bonne idée. Ok. Ça me va. Je pense, hein. Je vais faire l'ombre de la queue, là. Faites gaffe, il y a toujours l'arc de triomphe qui prend ses petits coups de pression, hein, de temps à autre. Il y a des petits pixels qui disparaissent, hein. Il y a des Among Us partout aussi. Ouais, carrément. Il y a des Among Us qui commencent à se mettre. Moi, j'avoue, dans les ornements là, il y en a partout. Ouais, mais les Among Us, moi, ils me font taper des barres. Franchement, j'aime bien. Ouais. Franchement, des fois, ils sont très bien incrustés. Franchement, ils sont. En vrai, tu dézooms, tu les vois pas. Et après, tu zooms et tu vois, ils sont des centaines. Ouais, si ça respecte le truc, en vrai, c'est cool. Ouais, c'est ça. Trop bien le Ratatouille. Ils sont partout, c'est vrai. Non, on peut pas. Et on sait quand le Reddit One Piece va commencer le truc? Bah ouais, là, il faut juste clear et ils vont démarrer là. Donc du coup, ils vont faire quoi? Ils vont faire, je sais pas si tu regardes One Piece, mais l'image où ils ont tous le bras levé là, les Mikura. Ouais, ah ouais, ok. Ah bah, okay. Rentre trop bien, je pense. Ah, One Piece, voilà ce qu'ils ont fait déjà, One Piece là. Ouais, voilà, tu peux que leur faire confiance, c'est tout. Salut les gars. Yo. Salut. Yo, hey, j'avoue, Ponce, j'adore, mais j'avoue, j'ai mis un pixel rouge sur sa gueule. Voilà, je le dis, j'ai mis un pixel. T'es contre le soin pour tous, Sakor? T'es contre le soin pour tous, d'accord? Non, mais elle était. Non, je suis pas contre le soin pour tous, elle était très bien, mais je suis. Bah, elle est immonde, c'est voilà. Immonde d'une carte vitale de base, hein. Enfin, regarde la gueule que ça. C'est genre, c'est immonde. Non, mais au moins, elle apparaîtra une seconde sur le timeline, c'est pas mal. Non, mais ouais, c'est surtout que, soyons honnêtes, en fait, là, on se fait chier. Du coup, ben, c'était juste histoire de faire un truc, tu vois, c'est juste vu qu'on se fait un peu chier. D'un point de vue spec, je vous le dis, les monuments étant non plus, on veut genre un petit œuf qui bégère quelque part. Mais ouais, mais. Ok, vas-y. Comme ça, tu vois. Vas-y, je sors un petit œuf, je fais un petit œuf. Ah bah, vomir, je sais pas. Vomir, je sais pas. Attends, tu sors un titeuf genre t'es Picasso? Je sors un titeuf. Il le sort lui-même. Mec, je sors un titeuf. La suite va vous étonner. J'ai soit un titeuf vénère, soit un... Je vais prendre ce titeuf. Les gars, faut aider le Air One Piece en haut, hein. Il faut clear ouais, encore. Ouais, faut les... Clear. C'est les trop des bons. Mettre dessus. En vrai, on voit leur plan et on les aide. Hein. Ça va aller en 2-2, je pense. On a fait le Louvre en 2 secondes.
Sinon, il n'y a pas genre des Espagnols à attaquer ou un bail comme ça, là. Mes frères, ils dorment. Ils ont... quelque part, ils sont juste tout en haut. Et ils ont une petite fresque. Ça veut dire que si on les attaque avec ce qu'on a, on va se prendre tout le monde entier. Ouais, j'avoue, j'avoue. J'avoue que peut-être avec ma commu, je vais commencer les petits vélos en bas, là. Bah, vas-y, hein. Mais on fait des petits vélos pour le Tour de France. Vas-y, vas-y. Faudrait que je fasse, un modèle ou un truc. Soit un Titeuf, soit un Rayman, en vrai. Faut faire un mini... faut faire un mini Arcane hein, pour Fuka aussi. Ils vont faire le logo VLC au centre de l'Arc de Triomphe. Bah, Arcana, en vrai, c'est stylé. Je sais pas si on verra, de toute façon. Moi, j'attends juste la guerre, ça. Oh, Kamel, le sang bout dans tes veines. Ah ouais, moi, je suis là juste pour le battre. Bon, bon, attends, ceux qui sont en train de souiller le truc de XQC là, de Fatal au nom français, abstenez-vous quoi. Après, en attendant, Kamel, tu peux lancer Riders Republic. Hein. Oh. Je crois que c'est pas sa guerre là. Ah oui, Riders Republic, une ref. Oui. J'ai une request. Vas-y. Brise de Nice. Oh, abuse. Alors. Frère. Ben non, en vrai. C'est pas la pire idée que j'ai entendue là depuis tout à l'heure. Moi, je la trouve trop bien, moi, Brice. Je t'ai cassé. En 2020. Ok, ça date, ok, tout ce que vous voulez, mais ça reste une rêve quand même. J'avoue que c'est un CSC de dire que quelqu'un a 55 ans pour moi, mais. allez, nickel, allez, c'est bon. C'est bon. Fausse bonne idée. On met Clovis Cordiac. Moi, j'aimais bien. Brice, c'est une vraie, mais en petit, je sais pas, mais c'est juste pour. Tout. C'est bon la taille là ou je bouge encore? Ou c'est bon en vrai? J'arrive pas à savoir si c'est la bonne taille ou pas. Je comprends. Allez voir avec les. Go sortir le Arcane, fais le Arcane là. L'équipe artistique. L'équipe artistique a dit est-ce que Joyka peut aller se faire foutre? Ça marche. Non mais je comprends. Je me suis emballé. Vous m'avez ramené à la raison, je connais mes limites maintenant. Donc c'est bon, je comprends. Ratatouille, c'était bien, tout ça, on a bien rigolé. Mais ok, je comprends. C'est le meilleur, mec. Y'a rien. Jules, t'es pas validé non plus? Signe Jules. Jules, c'est pas mal. Je peux placer quand même. Petit Jules, frère. Moi, je pense que ça se fait, hein. Un petit 2-12 au milieu, là. Non, on va te faire foutre, c'est bon, maintenant. C'est bon. On a assez subi, on a assez souffert, c'est bon. On n'en peut plus. Yo putain, mais c'est exceptionnel. Ah ben. Oh, par contre, alors déjà, il y a des gens qui ont des enceintes. Et ensuite, je trouve que... Et vous avez cru que c'était du React, là? Parce que vous faites quoi, en fait? Ouais, ça ouais. D'accord. Ah, mais voilà. Il prend feu, là. Bah, moi, quand je fais des trucs, on me les supprime, parce que c'est moche. ça c'est normal, c'est la règle. Alors que c'est une carte vitale, elle est magnifique. Après, Zerator, c'est un mec du chaos aussi, il aime trop tout délette. Là, j'ai un perfect. Pas du tout, on a beaucoup construit hier, mais... Ok. Mais par contre, ce que vous faites depuis quelques minutes, là, ça fait un peu dormir, je trouve. Hein. Alors que on pourrait profiter de la force de frappe pour avoir un peu plus de territoire, enfin, je sais pas. Non. Lui, il veut prendre toute la map aussi, allez, c'est bon. Moi, j'ai FK, c'est bon. Zerator, il vient foutre la merde. C'est ce qu'on propose depuis tout à l'heure, mais ils veulent pas. S'il faut allumer un live pour activer le GIGN comme hier, voilà, parce que... Le GIGN a prouvé son efficacité hier et a stoppé toutes les guerres hein, grâce à sa force de frappe incroyable. Mais là, il n'y a pas de guerre. Là, il y a pas de guerre. Là, il y a que du dessin. Il n'y a pas de guerre. Hein. Moi, la plupart des Américains et des Espagnols, ils n'arrêtaient pas de dire qu'on était des surrenders parce qu'ils connaissent que la Deuxième Guerre mondiale. Je pense qu'il faut faire un énorme Napoléon quelque part. Hein. Oh, l'angoisse. Oh, l'angoisse. Genre comme ça au centre dans le neutral, quoi. Non, c'est... Finalement, la carte vitale, c'était pas si mal. Ouais, la carte vitale, c'est ok. Hein. Sors-nous une carte vitale, une autre carte vitale sur la main, franchement. franchement. Bah écoutez, faites une carte vitale si ça vous chante. Après, moi de mon côté, je peux me débrouiller. Pourquoi tu parles comme un sociopathe là? Non, pas. Juste, ça fait 60 heures qu'on est insulté, conspué, focus. Et là, tout simplement parce qu'on prend pas un super gros raid d'attaque, vous êtes en mode oui, si on faisait une petite carte vitale à gauche. Non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça, je suis désolé. On s'est fait full chier dessus pendant 4 jours. Là, Kamel, je vous rappelle que milieu gauche, il a toujours perdu un territoire qui était colossal, qui est devenu je sais pas quoi, plein de trucs à la con. Il veut reprendre tous les territoires. Là, attends, si t'arrives pour annoncer un truc là. Mais on joue pas. Si juste on se défend, on a encore beaucoup à reprendre, je vous signale. Hein. Mais on joue pas à la Sive. Y'a quoi à reprendre? Mais bien sûr que c'est une game de Sive, ce n'est que ça. C'est une game de... Mais non, c'est pas une guerre de territoire.
C'est pas le but. Bien sûr que non, Zéra. Bien sûr que non. Et non, c'est collaboratif, c'est pas du tout ça. Mais c'est d'abord tu prends ton territoire et ensuite tu collabores. Bah, on a un sacré territoire, faire... y'a pas besoin d'en reprendre le là. Le Ratatouille se fait attaquer. Mais Ponce, il est américain, il est américano-espagnol, Ponce là, c'est quoi l'histoire là? Il a quelle nationalité dans la nuit? C'est nous qui avons le plus de place. Non, c'est l'Allemagne. Bah, dans ce cas là, parle pas d'espagnol et des américains du coup. Non, mais parce que tu reprends les arguments de ceux qui nous ont fait la guerre, donc je comprends pas trop. Bah, en vrai, on a un drapeau où y'a plein de dessins possibles. Donc autant faire des dessins là et puis ensuite on voit ce qui se passe. C'est tu vois. Bon, c'est acquis. Pourquoi se satisfaire de ce qui est acquis? Mais c'est acquis, c'est un drapeau, c'est trois couleurs. C'est pas. Là moi par exemple je vois aucun logo K-Corp dans la fresque alors que c'est la K-Corp qui a initié tout ça avec Kamel. Ouais. Donc ça déjà c'est un problème. C'est vrai. Oui c'est vrai. Même moi j'ai dit que c'est vrai donc bon. Et pourquoi mettre le logo K-Corp dans le drapeau français alors qu'on pourrait prendre une autre grosse part de territoire? Voilà. Enfin je veux dire il y a beaucoup de choses faisables. Là, je vous sens un peu mou, vous êtes en train de réact, est-ce qu'on fait une carte vitale ou pas? Je trouve que le débat est assez faible. Ah, mais c'est intéressant là, ça y est. Le débat est très faible. Mais quelle attaque, quel territoire on a perdu en gros là dans la nuit ou quoi? Oh, plein, si tu savais. Ah, on a rien perdu, on a rien perdu. Mais déjà, ils ont commencé. On a rien perdu. Alors déjà, sous le logo The Event, il y avait un énorme drapeau français. Milieu gauche, peut-être, ça oui. Il y avait un énorme Blue Wall K-Corp. À droite du drapeau belge, aussi à droite, sous le. Enfin, là où il y a les gros travaux pixel art de Ludwig, c'était à nous. Bon, ça, on n'est pas obligé de le faire, c'est stylé. Bah, bien sûr que je suis impliqué. On a fait toute la nuit. On a fait la squad de nuit avec Fukano, après qui a fait la matinée. Bah ouais, en vrai, c'est ça. On a fait des relais. On est en train de bégayer. Bah en vrai moi je sais plus quoi faire. En mode on fait une carte vitale, attendez. Non mais attendez. Mais elle a été supprimée. Bah, c'était le désespoir. Je comprends. Mais parce que toi c'est quoi? Du coup tu veux prendre des territoires? Non mais c'est juste. Là on va pas. Là ils sont 140 000 sur live de Kamel. On va pas faire une carte vitale quoi. Ah mais la carte vitale c'est pas le live de Kamel qui l'a fait. Du coup. Non mais je vous dis ça va rester un mème parce que c'était trop drôle. C'est une carte vitale. Pour moi la carte vitale ça va. Masterclass. Non mais en vrai il faut que Kamel reprenne un sur lequel il a commencé, il refait son truc à corps et au moins comme ça voilà déjà il. Non parce que être 140 000 pour build de toute façon ça sert pas à grand chose. Pour être builder sans attaque il suffit d'être 5-6 000 et c'est, tu construis le truc en 2 secondes, il y a qu'à voir le ratatouille et tout. Mais après concrètement on a suivi les ordres nous hein, c'est tout. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Hello. Salut. Bon en vrai moi je suis très chaud de l'attaque. Est-ce que quelqu'un peut me résumer un petit peu ce qui s'est passé? J'ai vu que vous avez fait un truc de dingue, Zidane il est trop beau, le musée du Louvre c'est incroyable, les Dofus c'est une mention spéciale, j'adore. Je te le dis, le truc de fou qui s'est passé, il y a une carte vitale, voilà, je te le dis, c'est une vraiment carte vitale. C'est l'événement. Très bref. Vous allez mettre ça où? Ah non, elle a été faite. Non, c'est bon, c'était la vanne, mais elle est partie. Par contre, c'est bon, là on en veut. Excusez-moi, je viens d'arriver. Pitié frère, il faut pas clear trop en haut parce que One Piece ils veulent faire leur art et depuis tout à l'heure ça clear en boucle. Donc arrêtez de clear et laissez One Piece travailler, ça va être une dinguerie. Ah, le problème c'est qu'il faut qu'ils scriptent, qu'ils se disent 1, 2, 3 et qu'ils démarrent un truc. Ouais, parce qu'en fait si tu démarres que point par point, ils y arriveront jamais. Parce que par contre, Zidane il part dans l'au-delà là. C'est ce qu'on leur dit. Mais en gros là ce qui se passe c'est qu'ils ont peur. De si ça attaque, tu vois, genre si ça continue à clear. Donc juste on colle le fait qu'il faut pas clear et après c'est beau et ça va être stylé quoi. Est-ce que quelqu'un a le lien du nouveau script pour le Zidane ou est-ce que pas du tout? Ah je l'ai. Tu l'as dans information, tu l'as au-dessus. Vas-y attends, je vais essayer de le trouver. Et en vrai le Louvre il est trop beau, mais est-ce que la pyramide n'aurait pas suffi? Parce qu'il gratte un peu sur le Zizou quand même, non? Bah moi c'est ce que je me disais. Franchement je t'ai marqué envie dessus. La Tour Eiffel ou pas? Tiens. Merci. Mais par contre, on peut plus faire de dessin là dans le rouge, dans le bleu, genre on peut plus rien faire. Je comprends pas pourquoi on fait pas de dessin. Vu qu'on se fait bouffer Zizou, Zizou il disparaît petit à petit. Pourquoi on fait rien dans le rouge, dans le bleu? Il y a tellement de place. Parce que là c'est Voldemort, hein, Zizou. C'est genre. Il est en train de partir là. Ah, c'est finito. Hein. Un ange. Fais ton Rayman. Mais je peux pas faire mon Rayman, on m'empêche avec des trucs rouges. Je peux même pas faire Rayman. Ça marche pas. Pendant que vous parliez tout à l'heure, on s'est fait attaquer les ratatouilles hein, d'ailleurs. Ah ouais? Le ratatouille, une streameuse espagnole qui l'a attaqué. Tranquille, il est encore, c'est plus important. Mais là, je pense que la mission principale, c'est de refaire le Zidane. Hein. Vraiment. Hein. Refaire quoi? Le Zidane, il était trop bien. Ben, ouais. Non, mais la force de frappe, ça sert pas à build. Le build, c'est fait pour les gens qui sont beaucoup moins nombreux. Là, on est trop nombreux. Et c'est pour ça qu'il faut juste faire des dessins. On peut pas juste dessiner. Quand t'es trop nombreux, il faut claim du territoire pour le donner au builder.
mais quel territoire on a déjà de la place. Dis-nous ce que tu veux goûter parce que là moi je veux rien. Écoutez, là je suis en plein petit déj là. Bon appétit. Là je suis dès l'aube. Il y a un Rayman de fou après la guerre de cette nuit. Là, je vois Kamel qui reprend son terrain de la K-Corp milieu gauche. Moi, j'ai un Rayman de fou, mais il se fait counter. Il arrive, je pense. Ah, t'as un Rayman qui arrive ? Ah, let's go. Tu veux dire directement sur le. Ouais, sur l'overlay. Ok. Il est vraiment stylé. En fait, il y a plein de places. Je sais pas pourquoi on réfléchit 15 ans, mais ce qui est chiant, c'est que quand on commence à faire des trucs, il y a des gens qui viennent les supprimer, qui sont pas nécessairement des gens pas français, tu vois. Et c'est ça qui fait galérer. Du coup, on se met des bâtons dans les roues nous-mêmes. C'est un peu l'enfer. Ok, alors c'est bon, j'ai le script. Mais est-ce que c'est quelle couleur, s'il vous plaît? En gros, là, on se fait attaquer en boucle par une personne qui s'appelle Gonzabella. Je crois que c'est. Je sais pas. Ok. Qui sait. Et il faut savoir juste ce qu'ils ont et on va péter un de leurs trucs, du coup, vu qu'ils nous attaquent. Ça marche. Mais là, du coup, franchement, si on tient, on est vraiment bien parti pour avoir un fat truc de la France d'ici 16h. Est-ce que c'est la dernière ligne droite là ou pas? En fait, on en a aucune idée, on sait pas du tout. Ouais, parce que c'était quoi? Ça avait l'air d'être 18h le truc là? Parce qu'ils ont parlé de 9 PT, 9 Pacific Time. Je sais pas trop ce que ça veut dire, ouais. Est-ce qu'il y a des calls d'attaque là? Ça fait 18h chez nous. Bah là, il y a Kamel qui attaque milieu gauche, là où il était à la base là. Milieu gauche? Okay. Sous le To Be Continued, c'est là où il y avait. Ah ouais, ok. C'est là où il y avait le Wall K-Corp à la base. Ok. On va faire ça. Tranquille. Ça refait. Moi, je suis d'accord, là, il faut de l'action, il faut des trucs. Mais c'est pour ça, est-ce qu'on a des trucs. Gonzbella, il y a forcément des trucs qu'ils ont construits, on va juste mettre un tir. Ça se trouve, elle a juste. Ça met juste à détruire, hein. Ça se trouve, elle a rien, mais bon. Oui, mais dans tous les cas, elle représente l'Espagne. Mais tu l'as où, cette info? Ah, du coup, tu vas attaquer toute l'Espagne, ah bon, d'accord. Ah, on en est là. Non, mais à un moment donné. Là, c'est une guerre ouverte, là. Bah, elle a attaqué le Ratatouille 2 ou 3 fois, elle est encore en train de l'attaquer. La couleur verte, c'est ça? Bah, ouais. Mais quelqu'un sait s'il a un artwork? Il faut des clips, Ava. Ah, il nous faut des preuves. Des clips? Ah bah je demande des clips, tu peux, ouais, tu peux pas shot call un streamer, il faut qu'on ait des clips. Bon bah ok, bah non, juste envoyez les clips dans le chat à Memodo s'il vous plaît. Si on a les preuves de guerre, on peut répondre aux actions. Ok. Pour moi, on parle depuis 2 heures alors qu'on peut build sur notre drapeau des milliards de trucs, j'avoue. Mais tu peux build, hein? En vrai build? Bah non, parce que quand je fais, c'est re-rempli en couleur de drapeau. Oui, parce qu'en fait, quand il y a 200 000 personnes qui défendent un territoire, si tu veux build, il faut faire 3, 2, 1 et d'un coup se lancer. Comme ça, les gens ils voient que t'es en train de build un truc et ils se doutent pas que c'est une attaque. Ah, la carte vitale pourtant a été faite très rapidement, hein, je te cache pas. Non, mais elle est apparue, elle est apparue. Ça, en fait. Elle a été jugée, c'est tout. Voilà. Mais on l'a laissée, elle est restée. En soi, elle est restée. Ok. Mais je crois qu'il y a Rayo qui m'a dit que sur le script. Enfin, non, pardon, évidemment, sur l'overlay, allez mettre. Ça arrive fort, frère. Ouais, c'est pour ça. Donc je vais attendre ça. En fait, ce qui se passe, c'est que là, on arrive dans les premières heures de potentielle fermeture du site, ok? Donc là, on est dans un truc où, ça se trouve, il y aura des pushs en fin d'heure. Donc là, ce qu'ils essayent de faire, c'est d'être discret et de faire dessin par dessin et de pas faire des putains de gros projets, tu vois. Je vous mets un clip. C'est avéré, il y a eu attaque. Hein. Ah ouais? Il y a eu attaque? Vas-y. Ah bah, elle s'en réjouit. Attends, il y a eu attaque de qui? Attends, je vous envoie. Et attaque vous de l'Espagnol. En train de me dire que c'est les Espagnols? Je vous mets ça en général. Je vous laisse regarder et en juger, mais je pense qu'on est clairement attaqué. Allez, montre-moi. Pour moi, je. Attends. Ok, vas-y. Qu'est-ce qu'il y a, pont? Mais regarde le territoire. Moi, à mon avis, ils vont pas fermer alors que c'est le matin pour les jouer ça. Juste qu'on se défend, on a encore. Ça me paraît aberrant. Oui. Je pense qu'ils vont fermer quand ce sera. Oui, elle a attaqué Ratatouille, oui. C'est une attaque confirmée. C'est une attaque confirmée par Gonzabella. L'attaque est confirmée, mais ils sont 3000, tu vois, donc. Enfin, la pauvre, elle va prendre une pression, genre. Mais en fait, moi je pense, vu qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord, etc., etc., on a un espace qui est gigantesque. Se mettre d'accord sur chacun, on prend un petit endroit et on fait nos bails. Tu vois? Pour info, elle veut attaquer le logo Twitch. À un moment donné, bon. C'est quoi ces œuvres? C'est bon, non. C'est qui Kata? Elle veut enlever. C'est espagnol, mais il faut. Mais c'est une attaque timide. Elle est où dans la. Une attaque timide sur le Ratatouille? Oui, bah oui, ça a duré une minute. Oui, ça a duré une minute. C'était mignon, ça. Moi, je me propose. On l'a détruit et après, on l'a refaire. Ouais. Moi, je trouve qu'on sait pas si elle a un truc sur la map. Mais ouais, c'est quoi? Est-ce qu'elle a un truc sur la map? Ouais, si elle a un truc sur la map. On lui annule. C'est destruction. Et après, on lui
refaire, et si jamais elle revient, bah là on prend le territoire. Voilà, 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 c'est bon, c'est bon, allez, ah on... voilà, là on parle plus voilà. De territoire, d'accord. Faut trouver, c'est timide trouver, tout ça, c'est timide, il y a déjà eu deux attaques. Non mais c'est... Hop. Bon, pendant que le conseil de guerre se met d'accord, là, juste, je vous rappelle un truc, c'est genre, pensez bien à défendre la fleur de l'ombre qui se fait dépasser, mais je suis pas sûr que ce soit les STI 2D, parce qu'en vrai, ils voulaient faire un cœur à la base, ils ont pas réussi à le maintenir, etc. Mais n'hésitez pas à défendre ça toujours, toujours pareil. Fort. Si c'est eux, bah, ils ont essayé de faire un cœur à un moment, hein. Je pense que c'est pour ça, hein. Mais c'est vrai qu'ils prennent de la place, après, bon, bah, c'est le jeu, quoi. Juste, hop. Hop, et ici aussi, mais ici on est protégé par les Néerlandais, donc c'est assez safe en vrai. C'est assez safe. Voilà. Mais en vrai, moi je pense que je vais juste me mettre dans mon vocal, chill, et on va se faire nos petits dessins de notre côté. Parce qu'en vrai, ça casse les couilles, on se met pas d'accord, et quand des gens veulent faire des trucs, les gens sont en mode non. Du coup, bah il se passe rien. C'est un peu relou. Et faut attaquer. Mais faut attaquer de quoi? Genre, on a ça, y a rien, y a que dalle, y a zéro. Tu vois ce que je veux dire? Enfin. Attaquer si on a plein de dessins partout, je veux bien, mais attaquer alors qu'on a bleu, blanc, rouge sur un 20ème de la map, c'est un enfer, genre. C'est un enfer. Je sais pas, hein. Putain, en plus, la carte vitale qui a quand même été faite tellement magnifique, elle était magnifique, cette carte vitale. Et après, on lui laisse rebuild. Et si jamais elle réattaque, là, on... En fait, okay. faut aller regarder ça sur live pour voir si elle a un endroit ou pas. Faut les guetter. Oh, le stream hacking. Vas-y, je vais aller checker ça. Hamza Bella, montre-moi ce que tu as fait dernièrement. Rien, non, elle est juste en train de survivre ce qu'on fait. Ouais, le focus. Ok, moi, je vais faire pipi. Ok, je vais faire pipi. Et quand je reviens, vous me dites un petit peu ce qui s'est dit, ok? On va voir ça. Il se vend. Quelle erreur, son nom ne sera pas oublié, soyez-en sûr. Oui. Crée quelque chose, attends juste de créer quelque chose. Oh, je te jure, il me fume, il doit être en pantoufle là. Et là, il est en train de manger son petit déj. J'ai un petit carnet là, je note des noms. Ouais. Tu manges quoi là? Ah, t'inquiète, ce qu'il faut. Ce qu'il faut pour assurer la guerre cette nuit. Ah, tu penses que ça va continuer jusqu'à 7h? Non. Bah, a priori, c'est jusqu'à 6h du mat demain matin. Moi, je pense pas, mec. Hein. Bah, ils ont dit 9 piti. En fait, il y a un horaire posté, donc. Non, c'était fake news, ça, bro. Parce qu'en fait, ils ont corrigé et ils ont dit qu'ensuite, ils annoncent pas la fin. Ouais, parce que tu crois vraiment qu'ils vont arrêter un site américain à 8h du mat en Amérique? Non, moi, ça me paraît aberrant. Pas à 8h, mais moi, je pense que ce sera un minuit chez nous ou un 22, tu vois. Ouais, possible. Mais moi, je vois le truc plutôt s'arrêter fin de prime time US, tu vois. Genre peut-être 22h, 23h US. Oh, ce serait une dinguerie. Mais ouais, je pense. Là, c'est la fin. Et s'il se passe ça, t'inquiète que putain, la défense, ça va être dur. Hein. Ouais, je pisse beaucoup, ouais, c'est un enfer. Mais je bois énormément d'eau aussi, c'est pour ça. Mais c'est insupportable, je fais que pisser. Juste, j'ai une question. Faut que je demande à Rayou avec qui il bosse concernant le pixel art, en vrai. Et comme ça, je demande des mini-trucs, je pense. Je vais tenter un truc. Rayou? Après, moi, je pense que si on a un petit peu d'épices, là, on attaque le Void, quoi. Nous, ok, voilà. les gens préviennent. Voilà, c'est... Juste les gens du Discord préviennent. Le script sera push à 15h10. Zizou va revenir. c'est ce qu'ils disent. Les annonces. Et il y aura un gros dessin. Donc, il faut que vous gardez vos tuiles. Et comme ça, d'un coup, tous ceux qui ont l'overlay, seulement ceux qui ont l'overlay, et qui est disponible avec moult tutos, vous mettez vos tuiles et c'est game. Genre, le dessin est incroyable. Et Ratatouille, il se refait attaquer, là. Elle est en train d'attaquer, elle redemande d'attaquer sur son... Bah, on défend. Mettre des pixels gris, les gars, go mettre des pixels gris. Ça défend fort. Non, mais faut se calmer. Tout passe l'attaque, s'il vous plaît. Tout est sérieux. Ouais, vraiment, l'attaque est timide. Et on est d'accord, on part du principe qu'on va garder tout cet espace d'ici ce soir ou est-ce que vous allez diminuer au bout d'un moment? Non. Si on écoute Zera, on prend en plus donc. Non. Attends, qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit, on garde, on est d'accord, c'est bon, ok. On a déjà fou de croire qu'on va diminuer là. On a réduit déjà. Ah, mais je sais. Mais si, on a donné à droite, à gauche, à droite encore, on a donné à Ludwig. On a donné, ça y est. Non mais déjà, on n'a pas repris tout ce qui nous appartenait de droit. Pour l'instant, on est plus petit que ce qu'on pourrait. Donc le carré noir qu'on avait hier soir, là, on l'a donné à qui finalement?
À droite, c'est là où il y avait le Roblox. On l'a donné à Miskif pour qu'il fasse Rekful, un hommage à Rekful. Ouais. Okay. Ah, c'est... Okay. Rekful, ça, c'est pas le truc, je sais pas. L'autre fois, c'était sa tête hier soir. C'est sa mascotte. Ouais, on l'a refait. Gonzabella, c'est Espagne, hein. Ouais. Ok. Ah, vu le nom, il y a des chances. Ouais, mais bah, on sait jamais. Après, l'attaque qu'elle a envoyée, vas-y, c'est... Ouais, est-ce, que ça la... est-ce que ça mérite qu'on s'attaque? Il y a rien qu'on peut attaquer, non, tu sais. Après, on parle de ça, ouais, c'est l'attaque. Il y avait 13 pixels. En fait, c'est qu'il y a tellement peu d'action là que ça. Ça titille. Mais quand même, une petite émote qui saute dans le drapeau espagnol. Mais bon, on sait jamais. Enfin, c'est comme ça. C'est... Je pensais que ça allait finir à 16h. Ça va finir à 5h du mat. Moi, Kamel, je pense que ça va finir pour que les Américains ils puissent. Ah, c'est sûr, pour qu'il y ait un autre prime time comme il y a. Ah ouais, c'est sûr. Hein. À mon avis, c'est. Bon, peut-être après, ça, on dit ça. Si ça se trouve, dans une heure, c'est fini. Mais ce serait étonnant, quoi. Si ça finit à 16h pile net, c'est trop bizarre. Ouais, ce serait bizarre que ça finisse là en plein. Ah, ouais. Ah, c'est horrible. Et surtout, Kamel, on a des scrims ce soir pour la Zidane, donc ça va être chaud. Quoi. Pourquoi c'est vous rigolez? Vraiment pas son problème. Il peut pas, il va regarder Popcorn ce soir, Kamel, je crois. Ouais, bah ouais. Il y a eu un ce soir. Tac, je vais essayer. Pardon. Bah, sinon, on tape sur le drapeau espagnol, non? Ouais. Moi, c'est ce que je pensais. Ah, la phrase, elle est lunaire quand même, frère. Il y a un mec qui lance le live. Oh, sinon, le drapeau espagnol, on le brûle, quoi. Bon, ouais. En fait, moi, c'est juste que, je me répète, mais je trouve ça juste dommage de taper ailleurs quand la moitié de notre espace n'est pas utilisé, quoi. J'avoue, je... Mais why not boss? Ouais. C'est parce qu'on est... Bah, déjà, arrivons à remplir notre truc avant d'aller ailleurs, tu vois. Genre, on fait rien de notre endroit, c'est dommage. Ouais, d'accord. Pour l'instant, avant d'attaquer, faut que notre endroit, il soit super stylé. Mais tout à l'heure, ça avait brainstormé et tout, mais c'était pas tout le monde était pas d'accord. C'est deux équipes différentes. Pas tout le monde était d'accord sur les idées. C'est pour ça qu'hier, on était bien. Je me l'envoie sur le PC. Ça, je pourrais le mettre sur OBS. J'ai une question, est-ce que ça prévoit de refaire une tour Eiffel ou pas? Ah, nice. Ah, je pense pas. Il y a déjà des dessins là, on peut remplir. Il y a déjà des trucs. Il y a la Lofi Girl et il y a Zidane qu'il faut refaire. Et en haut, il y aura One Piece, ils l'ont pas encore mis. Moi. Est-ce que vous savez? Moi, je pense. Il faut pas s'attirer les foudres de tout le monde non plus. Parce que sur le rush final, on pourra ça, pas. C'est vrai. On pourra pas défendre tout le monde. Ouais. Et rebuild. Si ça, on peut attaquer intelligemment. C'est ça. Si on attaque. Alors tac, je vais essayer de vous le mettre chat sur l'autre PC comme ça, vous le verrez en direct. Ouais, fais ça, je pense. Hein. Excusez-moi. Je suis en train de faire les vélos là. Je prépare les vélos pour en dessous. Oh, il réapparaît. Il se passe quoi sur la partie. Oh putain, sur la partie droite, il se passe quoi? Quelle partie droite? Sur la partie rouge. Ah, ouais. C'est Népal. Népal, en plus, il y a la Luffy Girl. Nice. Et en haut, il y a One Piece qui va se faire. Mais il y a des mecs qui refont le drapeau en boucle, ils rendent fou. Je réfléchis à. Genre. Ok, bon, pour ceux qui ont le script, quoi, ils peuvent remplir. Enfin, l'overlay, putain. Ils peuvent remplir Pépouze. On est d'accord? Hop. Moi, je vais tenter un truc comme ça. Je vais tenter. Genre, il est minuscule. Boom. Il est vraiment tout petit. Envoie les dessins pour ce que tu veux. Mais attends. Il te faut un overlay ou il te faut... Non, il y a même pas besoin de mec. Il y a même pas besoin, regarde. Je veux juste choper une taille, tu vois. Choper ah une... mais t'en as un Rayman, bro. Il arrive. Ah mais il est là juste... Ah ouais, putain, il est là. J'avais pas vu qu'il était là. Ah non, c'est bon, il est là. J'avais pas vu. En fait, il arrive. Il arrive fort. Il fait ses vélos, tonton. Attends, ok, j'étais pas sûr. Je suis en train. Ok, let's go, j'étais pas sûr. Genre juste il arrive et c'est parce qu'en fait c'est depuis tout à l'heure ils essayent de mettre tout d'un coup comme ça il y avait pas de... Ah ouais mais sur le script c'est pour ça. Ouais. Mais toi ouais, tu fais comment pour tes vélos là tonton? Là je suis en train de... J'ai créé un petit pixel art pour leur mettre sur le stream et qu'ils puissent le faire et on va les faire la suite. Attends mais ils ont remis... Putain du coup mais ils ont... C'est la Luffy Girl ça en ouais, fait ils ont, pas du ils ont décidé de mettre la Luffy Girl pour ça. Ok. Non, mais vas-y c'est pas grave, en vrai elle est stylée mais j'ai un mini... Moi je pense que je peux régler un Rayman qui est pas très grand en vrai. C'est-à-dire qui est vraiment pas grand et qui pour moi se gère ici, enfin dans un petit endroit facile tu vois. Ouais. Voilà. Bah, si on l'a pas ouais mets-le.
Et je pense qu'il faut mettre la... Il faut rien voilà. mettre dans l'espace One Piece, par voilà. contre. Non, mais là, il n'y a rien du tout. Là, c'est tout petit. C'est entre deux trucs. Ça se fait easy. Ça se fait easy. Il est mignon et tout. Je reviens. Il y a une autre communauté française qui est en train de faire un truc au-dessus de la cathédrale. Je vais voir ce que c'est. Je reviens. Elle court. Redessine Zidane. Oups, pardon. J'étais plus mute. Donc là, Topo, ça crée des trucs dans le drapeau. Et fin, pour l'instant ? Ah, pour l'instant, ouais. Ok. Ok. Donc du coup, on fait Brise de Nice à gauche, là. Là, on se fait un petit Rayman aussi sur la droite. Ah non, ça a choqué personne, c'est bon, c'est passé, finalement. De quoi ? Brise de Nice. Pardon. Ok, j'ai compris. Non, mais après, tu peux faire un Brise de Nice. Moi, ça me va, en vrai, je m'en fous. Hein. Tant qu'il y a des trucs, ça me va. Je t'ai cassé, mais quand même. Je t'ai cassé. Rayou, il t'a cassé. Mais c'est une... Oui, mais oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Dans la phrase, juste, on comprend. Je vois. Oui, je comprends cette époque, cette période et tout. En vrai, non, mais le film est exceptionnel, en vrai. Mais voilà, quand même. Voilà, là, c'est perfect. Ce qui est réalisateur. Que... C'est Zanavitus ou... Sans dire que c'est un... C'est un banger cultissime, machin, ce que vous voulez, mais c'est là. Oh, le petit Rayman, il transforme, là. Il est où, Rayman ? Il est en bas, à droite, là. Il est à côté de l'argent, à droite. Ah, ouais, bien ça. Bien ça. Il va avoir une belle tête. Ah oh, non, mais par contre, il faut reclear. Putain, mais One Piece, ils vont jamais réussir. Ouais, mais là, je sais pas qui veut étendre, mais là, il y a des gens qui sont chauds pour prendre du temps. Bah ouais, c'est... Eh, le petit Rayman, il est trop mignon. Ouais, et si jamais attaquez pas en bas de l'Arc de Triomphe, c'est vélo en construction. Ah, bien. On commence à faire on va faire toutes de gauche à droite des petits cyclistes Tour de France. C'est lourd ça. Je me demande s'il y a autre chose de la France qu'on peut représenter quelque part. Genre par exemple là on a Rayman à droite, on pourrait mettre autre chose à gauche là dans la bande bleue. Ah Rayman il rentre pas. Lapin crétin, ah, putain j'avoue. Ah lapin crétin ouais. Attends, on pourrait faire ça à gauche. Ça se fait. On met à la même hauteur que le Rayman. Du coup faudrait juste aller choper un pixel art du lapin crétin. Ça se fait. Tape lapin crétin pixel art sur internet, en vrai tu trouves. Enfin je pense que tu vas trouver des trucs. Je vais Moi je sais pas à la bonne taille. Franchement j'en ai un. Attends, je vais positionner ça. Ça c'est bon, non ? J'en ai un. Après, on a le même, celui qui regarde vers la gauche, là ? Ok, les gars, l'overlay One Piece arrive prochain push. Putain, c'est une galère, hein. Oh ! Lui, il est magnifique, les gars. Là, je pense que le Rayman est fini, là. En vrai, je pense qu'il est fini. Vas-y, moi, ma Run Riders, et après, je m'occupe du Népal. Let's go ! Kamel, viens, on se dit un truc, ok ? On arrête la tension qui est entre nous. Kamel, moi, ce que je te demande, c'est de juste... Tu lances Elden Ring une heure demain, ok ? Après les pixels. Je veux une heure de Riders et je te jure que j'explose cette poule. Il a dit je veux. Et t'inquiète, t'auras 3 heures si tu veux. Je l'explose cette poule, mais j'ai juste besoin. Et Rayou, il reste 3 jours, c'est colossal, ça va. C'est vrai que c'est colossal. Ah oui, 3 jours pour 3 jeux, ça va. Mais ouais, mais moi je pense. Vraiment, quand je suis en mode sous-merdifiage, je suis à mon prime. Genre j'ai des mèches blondes. Je suis trop fort. On va être en quart, c'est ça que tu sais pas en fait, c'est ça le problème. Dose, mais... Non mais tu sais que si on arrive en pool 2, on peut faire trembler. Et c'est pas une vanne. Bah t'inquiète, fais-moi confiance. Les gens ils sont contre nous, je pense. Bah je pense que vu ce que t'as fait pour les pixels, les gens vont pas oser t'attaquer quoi. Ah les vélos, let's go. Ouais, c'est en cours. Let's go. On n'est pas très coordonné encore, mais... Si, ça part. On est censé imiter le premier, mais qui n'est pas encore fini, mais ça part déjà à faire les autres. Là. Par contre, arrêtez de mal parler de Bibi, c'est un monstre. Même s'il joue 20 minutes, à la LAN, il va devenir exceptionnel. Parlez pas de mal de lui, s'il vous plaît. Parce qu'en plus, on va le mettre sur le dragon, sur Elden Ring, et les dragons, il les tue tout le temps, donc... C'est totalement free, quoi. Bon, les Espagnols, ils forcent sur le rat, par contre. Hein. Oui, mais en même temps, on a une belle défense, c'est pas si dérangeant, hein, en vrai. La def est belle, mais pourquoi ils attaquent Ratatouille ? Genre, c'est un peu en aveu de faiblesse, je trouve, de taper Ratatouille. Un peu, je suis d'accord. Il tape un peu la gueule, le Rayman, des fois. Par contre, tu sais, il y a les gens du Discord, Kamel, du Discord K-Corp, qui aident un peu, tu sais, aux relations, qui sont en mode...
S'il vous plaît, arrêtez d'attaquer le logo cassé. Tous les alliés se retournent contre nous, mais Notif meurt. C'est ce qu'ils disent eux. Des mais Notif meurt. Ah, je pense que Kabil Sibut, il en a rien à foutre. Il est en train de chanter. Il est en train de faire le même. Hop, hop. Il hurle là. Je pense que c'est bon, hein. Rayman, c'est bon. Hein. Plus besoin de toucher, il est bien là. Hein. Juste, ouais, maintenir quand même les jambes quand. Ah, quand les gens les enlèvent. Mais je pense que c'est bien. Je pense qu'on est bien. On s'occupe d'un petit lapin crétin à gauche là. Ouais, c'est propre, c'est propre, c'est propre. Je vais essayer d'aller trouver autre chose. C'est qui lapin crétin? Enfin, de le studio. C'est Ubi. Ah, c'est Ubi? Ouais. Oh putain. Et ouais, Rayman n'a pas de jambes, je sais, mais. Au pire, on fait un trait. Pardon, pardon. On fait un trait noir. Faites un trait noir et c'est win, hein. Je sais pas si vous avez vu ce qu'il a mis Zera dans le canal Information. Et ça fait un mix entre Daft Punk et PNL. Moi, c'est incroyable. En vrai, pour moi, c'est incroyable. Je suis prêt à remettre la carte vitale si on met ça. En vrai, c'est. En vrai, c'est incroyable. Ah, c'est incroyable ça. Ah, c'est vraiment incroyable. Le problème, c'est qu'il faut pas mal de place. Et là, il y a Zizou qui va en prendre beaucoup. Après, en overlay, c'est vraiment dur. Ah, en script? Ouais, je leur propose. Mais attends, si on place bien, ça le fait, non? Le problème, c'est que dis-toi que si on met pas dans le script, tout le monde va remplir H24 le drapeau, donc. Si on met pas le script. Franchement, et en plus, mettre Daft Punk et la plupart des inters, ils vont. Bon, en vrai, PNL, c'est quand même connu à l'inter, mais ils vont peut-être moins capter. Ouais, ils capteront pas vu qu'il y a les casques. Oui. Après, moi, je propose qu'on s'en branle en fait. Des fois, on peut mettre des trucs que pour nous, tu vois. Bah oui, c'est pour ça. Non, mais en fait, je trouve ça marrant que ce soit que pour nous, c'est justement pour ça. Genre, on pourrait faire la grosse tête de Vincent Lagaffe, tu vois, par exemple. Oh, le Big Deal! Mec, le Big Deal! Non, je rigolais! C'était le bon gay! Le Big Deal, c'est fort, no joke. Le Big Deal, c'est fort, mais c'est old. C'est fort, mais c'est old. Ouais, mais c'est dinguerie. Non, mais c'est dinguerie, le Big Deal. On a parlé d'une émission télévisée, il est comment ouf. Oh c'est bon, ta gueule toi, lance les jeux. Ta gueule en fait. Rayou là on a parlé d'un jeu télé des années 30 là, il est comme un fou là. Content bon. Comment t'as fait pour organiser la création du Rayman? J'ai essayé de placer au pixel et c'était pas ouf mais ça le fait tu vois, ça fait quand même un calque. Parce que moi en fait là j'ai mis le calque du lapin crétin et le truc c'est qu'il est, un pixel est beaucoup trop gros pour... Tu dézooms, zoom, t'essayes de... Ouais t'essayes de faire ouais, t'essayes, après c'est une galère, hein. C'est une galère de base. Hein. Okay. Sur Pesquet, sur Pesquet ils essayent de mettre la... Il me faut une évolution du vélo depuis 1920 là, ça finit un peu en moto tricycle, on sait pas. Je n'ai pas trop ce qu'il faut. Qu'est-ce qui se passe là, mais. Eh, ça va finir avec la moto de Tron, genre. Ah, le début est pas trop mal. Mets un Among Us sur les vélos. Ouais. Oh, l'expérience de la guerre. Par contre, ça a refait bleu, blanc, rouge en haut, quoi. Ouais, par contre, ouais. Non, mais dès qu'il y aura l'overlay. Dessine pas assez vite. Ouais, non, mais dès qu'il y aura l'overlay, ponce, c'est bon. En fait, genre, c'est juste qu'ils sont pas assez. Et okay. vu qu'on se fait attaquer. Après, il y a une solution simple, leur donner un autre territoire. Enfin, bref. Bah, en fait, ce qui est stylé, Zera, c'est que tu sais, tu extends le drapeau. C'est ultra bien joué. Je pense qu'il y a pas. Juste laisser une ligne, justement, sans jambes. Il a pas de jambes, le man. Donc laisser une ligne sans jambes, c'est très bien. Et en vrai, sans déconner, le Rayman est bien. Il est tout mignon, il est très bien. C'est une ref, produit français. C'est parfait. Laissez-le tranquille. Juste on le protège si jamais on voit qu'il y a des trucs qui disparaissent ou quoi. On essaye de le rebuild tranquille, mais il est bien en vrai. Mignon, bien, il est parfait. Il est parfait. Faut juste le protéger et les jambes sont... Mettons pas de jambes. Voilà, exactement. Comme ça, il est parfait. Sans jambes, il est parfait. Il avance, il n'y a pas d'overlay, il n'y a rien ici, ça m'a donné. C'est ce que font les escargots, mais là. Ça, c'est ce que vomissent les étudiants de médecine en fin de soirée, ça. Oh, frère. Il arrive. Ça m'étonne quand même qu'il n'y ait pas eu le call de faire une petite Coupe du Monde, quoi. Ah, parce qu'ils l'ont déjà fait, les. Il y a pensé, mais ouais. Ils l'ont fait, les Brésiliens, mais ils l'ont pas, quoi. Donc, elle est pas dans les locaux actuellement, j'ai envie de dire. Donc. On se l'a dit, nous non plus, elle est repartie au tirage des poules, mais. Il est en train de se faire. Je crois que le troisième cycliste, il est en bout de course un peu, les gars. T'as les anneaux olympiques aussi. T'as les anneaux olympiques, vu qu'on a les prochains. Ouais. Le A de Denis Brognard aussi, j'y pense. Ouais, en effet. Mais moi, je pense que... Je pense qu'en vrai, le Big Deal... Big Deal.
Ça pue sa mère comme idée. Ah, le Big D. Oh, le Rayman, il est vraiment lourd. Simple, efficace. Attends, mais les gens qui disent les chaussures de Skyheart. Une paire de chaussures, c'est obligé. Les zapatos? Genre discret? Une petite paire. Mais genre. On voulait faire, c'est ça qu'on kiffe, tu vois. Bah ouais, en vrai, ouais, je pense qu'il faut. Mais des petites zapatos. Vas-y. Bon, pour moi, des petites zapatos en bas là, c'est exceptionnel. Parce qu'en plus, zapatos, personne ne peut comprendre. Les gens sont en mode bateau, des chaussures. C'est exceptionnel. Mais faut faire des grolls, tu vois. Genre, faut faire vraiment. C'est trop bien de faire un truc que personne ne peut comprendre, je pense. C'est non, mais. Nous! Il y a beaucoup de gens. Non, mais Gu, Adrien, tu vas foutre va, un peu. Je te charrie, je te charrie. Ouais. Non, mais... T'aimes trop ça, mec. Désolé, c'est la guerre, mec. C'est la... Non, mais. C'est bon, tu prends trop ça au sérieux. Comme nous. Ouais, est-ce qu'il faut que PA il se chauffe pour faire un petit pot de popcorn, là, quelque part, là. Ah ouais, je pensais à un truc. Si on se faisait une tête d'un rat. Quoi? Rat? On se faisait. Ouais. C'est les rats. Ah oui, c'est le... Oh, ouais, tu mets la tête de Rapido ou de Razmo. Oh le flop. Ah bon, bah écoute. Oh le flop. Moi j'essaye de venir avec des trucs. Le flop de dingue. Ça propose, hein. Je trouve que ça fait partie de notre enfance. Ah oh, putain, ça recommence. À l'aide. Non mais les gars, vous avez des idées, faites-les, on enlève hein. Salut. Vas-y. Salut. Bah c'est ça, tu peux faire ton truc. Tu peux faire ton truc et si t'es jugé par la foule céleste, bah tant pis, tu vois. Je viens d'arriver, ouais, on est où là, la guerre? Là c'est plus la guerre là. Ah, la guerre c'est gagné. Allez, bah bravo à vous. Ça chill quoi. Mais y aura suite. Ça va repartir. Du coup là c'est création. Le GIGN, ouais, c'est de la créa pure. Le GIGN se repose pour la guerre de ce soir. Non, fait des choses. Mais alors est-ce qu'on a une heure officielle de la fin ou toujours non, pas? Absolument pas. Okay, ouais. C'est entre 16h et 6h du mat. Voilà le râteau d'estimation de fermeture. Le conseil général estime que ça sera plus tard parce que les Américains n'ont pas eu le temps de rejouer. D'accord, ok. Ouais, comme là il est 8h du match chez eux, ça paraîtrait un peu bizarre que Reddit, qui est un site américain, ferme le truc à 8h, je sais pas. Après peut-être, mais bon. Mais du coup c'est terrible, enfin, en vrai j'aime bien l'idée qu'on ne sache pas quand, mais du coup ça va être terrible quoi. En fait ça a ouvert... des attaques à plusieurs heures. Ouais c'est ça. En gros ça a ouvert à quelle heure pour les Américains, est-ce que ça on sait? C'est ça a ouvert le premier hein. Faudrait voir. C'est ouvert à 10h pour les Américains. 10h du matin? Ouais. Apparemment c'était 15-16h. Donc ça pourrait être du 18h ce soir quoi. Ouais, ça peut être ça. Mais et on juste. Si ça ouvre à 10h et qu'ils sont en mode c'est 3 jours point barre. Ouais, c'est possible, non? Alors, juste à gauche de l'Arc de Triomphe, on essaie de faire une tête de lapin crétin depuis tout à l'heure. Donc, si jamais il y a des gens qui prennent ça pour une attaque, c'en est pas une. Oh, l'escargot, il est en train de naître là. En vrai, il est lourd, c'est une dinguerie. Hein. Voir l'escargot. Ah attends, on pourrait faire je crois que le script One Piece a été push, si vous pouvez check. Let's go. Les gars, aidez à fond le R1. Checker. Pas chez moi. De ce qu'ils disent, genre juste c'est push. Pas celui-là. Après ça met 5 minutes avant de proc, non? Ouais, c'est... C'est celui-là. Et juste, ils m'ont envoyé le pixel art de PNL Daft Punk, si vous voulez voir. Oh, let's go. Il non mais là. Ça il faut le faire hein, ça c'est incroyable. Il est incroyable. Ah oui. Ça c'est vraiment incroyable ça. Putain, j'ai raté ma mass race à cause de ça. Oh, oh merde. La mass race bro. Godric m'a... J'ai perdu. tu l'as déjà tué une fois Godric quand même? Ah oui ouais, avant toi même. Ah ouais bah est-ce que tu fais 18-45? Non mais là il sait pas de quoi tu parles là, il sait pas. Ouais, il a pas compris là. Là il a pas compris. Mais les gars j'ai joué au jeu, je sais. Pas le script. Mais dis-leur d'ajouter le PNL Daft Punk à gauche. Bah, ouais, je leur dis, ouais, mais attends, ils vont. Ouais, t'inquiète, qu'ils prennent leur temps. De toute façon, il y a beaucoup de choses là. Ajouter le haut, il fait vide là maintenant. Et le Reddit One Piece, c'est quand il commence? Il va bientôt arriver là, c'est le temps que ça proc, je pense. Ok, attendez, j'ai une phrase importante. Étant donné qu'on arrive dans les premières heures, ce que j'ai dit tout à l'heure, ils vont faire un push par heure, ok? Donc le prochain push est à 16h. Comme ça, pour être organisé, pour remplir d'un coup. Donc là, pour l'instant, vous pouvez faire des petits dessins, des trucs comme ça. Et le massif push, c'est à 16h, où il y aura le truc Daft Punk, le truc One Piece, etc. D'accord, et comme ça, on,
vous pouvez réfléchir aux idées pendant 30 minutes et ça permet aux développeurs d'être organisés, tu vois. Ok, ça me va. Mais après, pensez que tous ces dessins un peu complexes, après ils vont être full attaqués. Hein. Donc faudra être capable de les refaire rapidement. Faut que plein de gens aient les scripts. Ouais, et tout. Parce que dès qu'on va se faire attaquer, vous vous rendez pas compte. Hein. Ça va être la, ça va être la sauce. Ça, mais du coup, c'est ce qu'on disait, c'est qu'en défense, on mettra que les couleurs du drapeau, parce que pour le coup, ça va être difficile de d'un coup défendre. Forcément, si tout le monde a script, ça se défend bien. Ouais. Et par contre, les gens qui remontent les bandes, c'est bien les Espagnols. Hein, c'est confirmé. Hein. Ah ouais. Okay. Ouais, c'est confirmé. Ils m'ont envoyé et tout. Les espions, mec. Attends, je leur dis, il faut des clips de preuve. Ouais, les infos de chat. Je peux pas juste avoir des écrits. Ah ouais, j'ai confiance, j'ai pas trop juste confiance. Avoir des paroles. J'ai trop confiance en ce pseudo qui me... Ah ok. Impressionnant, le The Event, il tient de ouf. Ouais, il tient, c'est plus facile à défendre, je pense. T'as un fond vert, un fond noir. Le soir après, c'est bien. Il va venir, il va dire, mais non, vous avez monté le drapeau et tout. Ce Ah, désolé. Oh. Américains, espagnols, ils vont se lever, ils vont péter les plombs quand ils vont voir qu'on a non seulement défendu, mais en plus agrandi en haut là où on avait perdu. Non, non, on va pas agrandir vu qu'il y aura One Piece. Non, mais je veux dire, le carré du haut, tu sais, enfin le rectangle du haut, on l'avait perdu entre guillemets. Ça me fume, il est immonde le Frampton. Il est dégueulasse, ça me détruit. Hein? Ça me fume, il est dégueulasse. Let's go, il est coulant. La gueule du Frampton. Il est coulant, c'est propre. Mais en fait, il part en couille. Attendez, je pense que là... attendez, je vais enlever ça. Je pense qu'il faut juste que là, on mette là, on met trois cases noires et ici, on remet du rouge foncé, je pense. En vrai, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre là, on met trois cases noires et ici, on met rouge foncé sur le côté, je pense. Comme ça, au moins, on l'arrête là. Parce qu'il partait un peu loin. Ah là, il est vraiment magnifique, quoi. C'est un fromage, ouais, c'est un fromage. Il est beau, hein. Magnifique, hein, ce Frampton, là. Il est catastrophique. Mais en fait, le truc, c'est que je voulais un truc avec peu de pixels, parce que du coup, sinon, ça prend trop de place. Et je voulais un truc proche. C'est ça, le problème. Je voulais un truc peu de pixels et proche. Nouvelle zone ? Quoi, nouvelle zone ? Vous avez vu mon fromage, il est beau, hein. Comment il va, le Rayman, là ? Ça va, il est tranquille, il est pépouze. Comment elle va, la fleur de l'ombre? Ça va, elle se fait doucement attaquer, mais tranquille, ça remet. Genre ici, il y a le fromage qui... Eh, mais en fait, non, il est pas si immonde, le fromage. Hein. En dessous de Ratatouille, je le trouve. Il est pas fou, mais il est pas si immonde, en vrai. Il est pas fou, mais pas immonde. C'est pas une immondice, quoi. Le Louvre, il est incroyable. Ouais, le Louvre est vraiment incroyable, et les bordures sont propres aussi. Le Thomas Pesquet est assez fou. La Lofi Girl, c'est propre aussi. Le Ratatouille, il est presque parfait. Un petit Ricard. Vert de Ricard Pixel Art. Ouais, mais ça, c'est... Oh, il est dingue. Ouais, mais il est de côté, putain. Il est de côté. Faudrait faire ça, mais droit, en fait. Là, il est de côté. Je peux... Ricard... Pixel art. Putain, celui-là est propre, mais il est de côté, tu vois. Il est de côté. Un invader, mais il y en a des invaders déjà, il y en a pas mal, hein. Il est pas de côté. Vous pensez que ça peut se faire droit? Genre ça peut se faire droit? Enfin, genre... J'arrive pas à voir. Ouais, je pense que ça peut se faire, ouais. Il y en a déjà un en 1200-600. Il y en a déjà un en 1200-600. 1200-600, ça doit être là. 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 Ah oui, il y a une bouteille de 51. Mais attends, mais what the fuck? Mais il y a écrit 51, mais ça ressemble pas du tout à une bouteille de 51. C'est improbable, non? What? Il y a des sites qui permettent de faire une conversion image tout pixel art, cherche pixelite. Oui, ce qu'on avait vu hier. En vrai, ce qu'on avait vu hier. C'est pas du pastis. Mais pourquoi il y a écrit... Ah non, il y a écrit 80. C'est de la Cachaça. Cachaça 51. Ah ouais, ok, non, aucun rapport du coup.
Ok. Bouteille de Suze. Je sais pas. Est-ce qu'il tient le frometon horrible? Mais ça me fume, il tient le frometon alors qu'il est vraiment... Il a pas trop de sens. Mais ouais, il a pas trop de sens, mais il, je trouve qu'il passe bien quand même sous le sous Ratatouille. Juste une baguette. Mais les baguettes, il y en avait... Y en a... Attends, montre. Si je fais baguette, pixel art. Il y a des trucs de fou, hein. Mais regardez, en fait, j'aimerais bien des petits trucs. Parce que celle-là, elle est plutôt grosse. Elle va commencer à prendre de la place. Celle-là, elle est juste moche. On tire un knacky. Celle-là est belle quand même. Vas-y, monte celle-là. Baguette. Elle est belle, mais en fait, elle est grande. C'est ça le problème. Attends, faut peut-être que je l'enregistre sous un autre format, je pense. Non, ça va le faire. Celle-là ? Non, mais celle-là est trop stylée. Je veux juste voir la taille. Attendez, je me unmute pour voir ce qui se passe. Je veux juste voir la taille. Je vais voir ça. Je me unmute pour que vous puissiez écouter un petit peu ce qui se passe. Et je suis paumé, mais je ne trouve pas le... Tu peux plus ! Un Kamel avec tes bruits de page web. Infâme. Bah, je crois que tu as une formation générale de script. Rappelle de mettre votre pixel. C'est important. Non, mais c'est que pour Firefox. Il y a pour Firefox et il y a pour Chrome. Normalement, si tu remontes tout au début de la converse, tu devrais avoir tout. Ah, dans le général, ok. Si tu peux. Ouais, dans le général, je information. Ah, je suis mort, vous avez fait Thomas Pesquet, incroyable. Il est incroyable, Thomas Pesquet. Il est beau, il est beau. Ah, mais ouais. Bon, le futur Zuzu, là, il est bien passé. Bien placé. Non, les gars, le script One Piece, c'est à 16h qu'il sera up. Bah là, il y a déjà le Zizou. Est-ce que les gens commencent à le faire ou on attend? On peut, hein, on peut. De toute façon, tout ce qui est dans le script, faut le faire. Comme ça, après, dès qu'il y a le nouveau script, hop, on accélère sur les autres projets. T'as abandonné Lapin Crétin? En fait, à chaque fois qu'on pose des points blancs, on se fait directement remettre des points bleus par-dessus. Ah, quand t'essayes de faire sur le truc bleu? Ouais, c'est ça. Ah. Les gens pensent que c'est une attaque en fait, mais en fait le Rayman il s'est bien passé, je sais pas pourquoi le Lapin Crétin il y a... Mais parce qu'il est tout petit sur le côté je pense. Apparemment Gonzabella, suite à notre petite attaque, elle a tweet pour la guerre, apparemment. Ah ouais. Ah la pas kiffé je crois. Ça doit être ça la guerre. Peut-être ça hein. Allez, on se focus sur les Zizou les gars, c'est parti. Celle-là. Y'a combien de pixels là? Je suis mort, les petits vélos Among Us, c'est incroyable. Ça devait pas être ça du tout à la base. Hein. Mais ça a fini comme ça. Ça a fini comme ça. Mais du coup, le truc One Piece qui devait se faire au-dessus, c'est... 16h. Ok, ouais. D'accord, ça marche. 16h. Et juste, on fait quoi, Kamel, pour Jinx Arcane? Soit on trouve une autre rêve par rapport à Fortiche. Parce que pour moi, s'il y a Jinx déjà là, c'est compliqué. Je sais pas. Apparemment, elle est en train de nous menacer sur son stream. Non, mais... Oh, propre. Si, la menace. Qui c'est qui a fait l'escargot en haut à gauche? C'est Joyka, je crois. C'est Joyka, hein. Propre. On peut faire Vaille. Oh, Vaille. Oh, si, hein. Vaille. J'avoue que ça pourrait être stylé. Ouais. C'est Attends, il Arcane, il y a Jinx, mais il n'y a pas Vaille. Ou sinon... Vaille, t'attaques à Zidane. Wait, attends. Wait. C'est vrai que c'est quoi ce sourire de Zidane là? Il y a un problème, non? Ouais, Zidane, il devient méchant, là. Il est pas content, là. Attends, toi, c'est un attaque du Void. Ah ça, je pense que c'est une attaque. Du Void, ouais, oh, il a cru. Cache ton sourire. Il est incroyable. Il fait trop flipper. On aurait dit le Joker un peu, tu sais, genre ça commence à sourire là. MDR. Non, sinon on fait Jinx avec la fumée. Hein. Y a moyen de faire un truc stylé avec ça. Vous mettriez ça où? Du quoi, dans la partie bleue à gauche? Ouais. Ouais, ça pourrait être stylé, j'avoue. Ah, Jinx avec la fumée bleue en plus.
Ouais, avec la fumée, s'il y a quelqu'un qui peut faire un art stylé de ouf. Sinon, tu le fais un peu dans le blanc en bas et la fumée part vers le bleu. Et vu que la fumée est bleue, ça fait genre ça colore la partie gauche du drapeau. Lui, c'est un artiste, lui. J'avoue qu'il est visuel. Ouais, bah, je le dessinerai pas. Non, c'est vrai, c'est pas con ça. Joyka, t'as fait comment ton escargot? Tu t'as fait en mettant le fil toi-même par-dessus? Ah, ok, bon. Il est full mute. Il est focus. Parce qu'il est vraiment clean, hein, par contre. Il est focus là-dessus. Mais je trouve ça hyper dur, justement, de mettre le calque par-dessus. En fait, il faut vraiment un script pour que ça marche bien. Ah, c'est mieux, quoi. Tu veux dire? Non, mais ouais. Arrêtez, embêtez pas. Il est beau, l'escargot? Non, il est très bien, l'escargot, j'avoue. Ah, mais là, ouais, laissez-le tranquille, l'escargot. Il serait hyper sale de matière. Ah ouais, non mais parce que j'étais allé voir ce qu'elle disait Gonzabella et en fait elle a dit ouais, attendez-vous à la guerre dans l'après-midi. Bon, c'est pour mettre 3 pixels sur Ratatouille. Là c'est quoi qui se fait à droite sur Rabisquet partout là, qu'est-ce que... Attends, j'ai rien. C'est quoi qui se fait derrière Ratatouille? J'en ai aucune idée. Ah si, c'est la liberté guidant le peuple, je pense. Non? Je dis rien. Ah si, t'as raison. Je pense ça. Ouais. Ok. Ah oui. C'est ça. Oui. Ok, Zidane, il revient, il renaît de ses cendres. Parfait. Escargot, il est là. Je suis content. Oh, je vois des clips d'Espagnols qui font des déclarations de guerre en français approximatif, c'est terrible. Ouais, c'était ça. On est déshonorante, ils nous disent. Oh, j'ai le script. Il m'a fallu 8 heures, c'est bon. J'ai. Ils ont. Enfin, l'overlay, pardon, excusez-moi. L'overlay, bien sûr. Je me disais de quoi tu parles. Je comprenais pas. Ah ouais. Cela dit, ça commence à prendre forme pas mal. Il y a le script One Piece. Ouais, script. One Piece maintenant. Aider. Allez, la force We Boss là. Let's go. Tout le monde. La force We Boss. En vrai, il est trop stylé. En vrai, il est fou. Tous à vos tuiles. Et en vrai, ils sont trop sympas. Genre, ils sont trop en mode pour nous aider et tout. Ils veulent faire des trucs stylés et c'est des gens passionnés. Non, mais c'est bien qu'il y ait un dessin en vrai au-dessus de ça parce que c'était chiant de le remplir en drapeau. En vrai. Ouais. Là, il faut les aider de fou. Ça va si vite par contre. Incroyable. Est-ce qu'ils pensent toujours qu'on a des bottes, les autres? Bien. Non, je crois que c'est bon, je crois. Oh, pas, je crois qu'ils ont compris. Ah. En fait, ouais, il y avait vraiment le fait qu'on ait utilisé du surname. Dans ton script, hier soir, c'était insupportable. T'aurais dû voir comment ils prenaient de haut Kamel lorsqu'ils étaient en train de parler. C'était impressionnant. Ouais, apparemment, ils ont même parlé de Hassan et tout. J'ai entendu des trucs chelous. Non, mais il ne l'appelait même pas par son prénom. C'était en mode Mr. Frenchman ou je sais pas quoi. C'est bon, arrêtez. Après, ils me connaissaient pas, il y a rien. Je sais, mais t'as capté. Justement, c'est encore pire. Comment il va vite le One Piece? Quelle erreur! Oh, il est incroyable! C'est incroyable! Apparemment. C'est cette planche là! Génial! Apparemment, One Piece ils sont trop heureux, ils sont en train de full spam dans le Discord. Dans votre... Ça c'était vraiment genre un moment de One Piece, je l'ai vraiment kiffé quoi. Ah, même. Tu sais qu'il y a plein de gens qui ont fait le tatouage hein, avec la croix. Je trouve que, mis à part le fait que bon, ouais, il y avait ce truc de username et tout, mais c'est assez légendaire que tout le monde croit qu'on est des bots tellement on est efficace. Je suis tellement fier de ça. C'est assez dingue en vrai. Ils l'ont pas. Kamel, on me dit que la Jinx, c'est full fumigène. C'est pas une Jinx où on voit, genre, c'est vraiment la Jinx, elle est full fumi. Genre, je lui dis, montre-moi la Jinx. Envoie une image. Ouais, envoie. L'image, et comme ça, vous jugez. Je vous la mets dans la formation. Vas-y. Putain, mais. J'étais en 5.40 sur ma run, quoi. C'est... Pourquoi il parle? Eh, hey, One Piece, ils sont trop chauds, là. Let's go, One Piece! One Piece, we love you! Je dis rien, je regarde. We love One Piece. Oui, là, quand ça prend vie comme ça, c'est trop stylé. J'ai carrément. Maru est tout nu. Maru, il est comment? Maru, il est tout nu, là. Genre, il est à poil. Apparemment, ils veulent attaquer Astérix et Obélix. Oh non. Ça fait deux jours qu'il tient. Mon pinard. Ouais, bah ouais. Les gars, il tiendra. C'est Red Dead France qui défend. Astérix, il est trop beau en plus. Il est jamais tombé. Il est jamais tombé, ouais. Ah ouais? Ouais. Astérix est là. On me dit dans l'oreillette apparemment que The Void recrute en masse pour attaquer la France. Non. Apparemment.
Oui, mais ça va arriver, de toute façon. On est ça le, va arriver, hein, on le on est territoire avec le, le plus de place. Je trouve trop cool qu'il y ait des Among Us qui se faufilent partout. Et si le trip est que, normalement, on peut défendre. Oh, c'est une masterclass, regardez. Oh, regardez, c'est une. C'est exceptionnel. Non, regardez ça. C'est exceptionnel. Ah, j'aime bien. Ah, la fumée. Eh ouais, je t'ai dit la fumée, incroyable. Oh, c'est cool. Ouais, mais... Ah, j'aime bien. C'est exceptionnel. Il faut le faire. Je leur ai dit, c'est trop beau. Je leur ai dit gogo avec des milliards de. Il faudrait que la fumée bleue elle aille dans le drapeau bleu. C'est dommage en vrai. C'est bon, ils ont essayé de faire un doigt d'honneur à Luffy là. Ah, mais ils vont essayer. Bah, c'est normal, c'est comme les points com qui se transforment en points com, c'est classique. Oh non, y a Ibai qui est connecté. Nul. Ça y est, les autres. Il y a Inox qui va arriver bientôt. Tenez les positions. Tenez. Gardez vos tuiles. C'est où la tête? Il va rien faire, je pense. Je pense qu'il va essayer. Peu importe qui passera ses portes, vous tiendrez la ligne. On va lui montrer à celui-là là. Le script de One Piece, il est où dans le channel? Normalement, t'as juste à F5. C'est le même script. T'as juste à F5, normalement. Ok. Le même, ouais. Contrôle F5 si vraiment tu le vois pas. Mais voilà, là, on a bien rempli. Au moins, on a pas un drapeau vide et tout. Ouais, déjà, c'est bien. C'est propre, en vrai. Là, si on rajoute la Jinx, c'est incroyable. On a vraiment une grosse zone. Oh, yes. Oh là là, la Jinx. Oui, tout ça, c'est nous, bien sûr. Personnage du jeu League of Legends où Ibai s'est pas qualifié. Ouh. Oh là là. Je n'ai pas, il est chaud aussi. Ouh. Bien. Oh, Kamel, il est trop heureux là. Il voit le truc One Piece. Il est trop heureux. Ouais, One Piece. Surtout que, imagine, dans à peu près une demi-minute, j'ai une minute, tout le monde va reburst là. Il va y avoir un gros burst là depuis qu'on est là. Oui, dans 30 secondes, c'est reparti. Il y a des gens qui regardent l'animé ou pas de One Piece? Ouais. C'est quoi votre. Tu vas faire quoi? Tu vas spoiler là? Tu vas spoiler en non, direct? Tu vas spoiler là? Tu vas spoiler là? Non, je demande juste, c'est quoi votre opening préféré? Je veux dire que mon arc préféré c'est le 4, ou là où il se passe ça. Non, mais par exemple, c'est quoi votre opening préféré? Oh là là, vas-y, je me mute. Oh. Moi c'est le premier, je connais pas, le premier de loin, c'est une masterclass. Je peux lui mettre alors. Le 5 il est incroyable je trouve. Je connais rien du tout. Je sais juste que je mets juste Isabelle Adjani en même temps que le 1 et ça passe bien quoi. Ou bien, parce qu'elle est trop stylée. Hein. On y avait pensé ouais, mais comme elle était déjà faite, ils ont préféré le laisser en haut. Ah ouais, mais c'est majestique. 26 secondes la tuile là, ça va rebourse soon. 26 secondes c'est la rebourse là, ça a commencé je crois. Ah ouais, je peux placer ma tuile. Go. Let's go le chat là. Hop hop hop. Ça va si vite. Ok, c'est bon. Ouais, c'est bien là, ça a pris forme. C'est tellement satisfaisant à suivre. Par contre, les gars du Air One Piece là, sans spoiler l'animé, le bras de Chopper il est plus petit, non? Sans spoiler, ok. Je vous dis ça, je crois que c'est une petite patte avec un sabot, hein, c'est pas un bras de colosse. Hein. Ok, nice. Mais je vois pas de bras de colosse apparaître. Je vais aller revoir l'image pour vérifier, mais. Par contre, même quand on dézoome là encore, on voit vraiment Zidane. Le Air One Piece, il faut regarder votre animé, le Air One Piece. Les gars, défendez Zidane. Ils sont en train d'attaquer. Ah ouais, ils sont arrivés. J'ai plus de briques, mais ceux qui ont déjà les yeux de Zizou. Non, ouais, non, Zizou, il prend sa pression, ouais. Zizou il prend sa pression là. Les yeux c'est pas grave mais en dessous des yeux. Ah oui. Oh là 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 là. Ah ouais, je le vois. Oh les bâtards. Ah c'était le fond du bateau, my bad, One Piece. Il y avait une tentative dans les doigts, oui chat. Vous êtes trop fort. Ok, ça avance le One Piece. Putain, ils sont vraiment chauds. Imagine ça en timelapse. Le. Attends, la couleur beige qu'il y a justement en dehors, c'est. Je sais pas le souvenir. C'était pas un ciel bleu normalement? Il lève la main comme ça? Je sais pas. Moi dans le script, c'est beige. Je mets beige. Je suis un mec simple. En fait, vos traces de process à chaque fois. Et ensuite, tu. Ah oui, ça prend forme à la fin. Ouais. Comme le Louvre, hein, ça ressemblait à de la bouillie de pixels au début. Ah, le Louvre, au début, j'étais, mais qu'est-ce qu'ils font? Ouais. Et maintenant, c'est une dinguerie. Au final, ouais, t'as les reflets et tout. C'est... Vas-y, on va se tenter un footix. Il est petit et tout. Je pense qu'il rentre facile celui-là. Il est petit, il prendra pas beaucoup de place.
Hop. Je mets le footix ici. Tout se fait détruire. Ah ouais? Mais non, non. Non, non, trop bas. Trop bas, trop bas. Tout se fait pas détruire. Non, tout est bon là. Attends, je m'unmute au cas où. Qu'est-ce qu'il a autour du coup? C'est pas juste le col? C'est son col de... Ouais, c'est son col d'astronaute. C'est ça, exactement. Ok. Mesdames et messieurs, One Piece installe notre template à nous pour nous défendre. Ils sont prêts. Oh les cracks. Oh là là, mais on est fou. C'est full Nakama, frère. C'est grave. Hein. C'est grave. Nakama. Oh, c'est vraiment... Non, j'avais pensé au logo de l'OM avec l'étoile, mais... Pas faire ça. J'avais pensé à ce logo-là. Hein. Petit logo de l'OM avec l'étoile, mais je sais pas trop si c'est une bonne idée, on va pas se mentir, hein. On va pas se mentir ici. Alors, non, on va pas faire ça ici, autant faire ça là, je pense, en vrai. Autant faire ça ici, à mon avis, mais si ça rentre, quoi. Le truc, c'est que je crois que ça rentre pas. J'en suis où, là? Putain, je vois rien. Attendez. Hop, je vais faire ça. Mais ouais, ça rentrera jamais ici, je pense. Ça rentre zéro? Ouais, ça rentre zéro. C'est impossible. C'est impossible. Non, c'est impossible. Ah, il faut vraiment l'augmenter. Fort. Mais du coup, en dessous de Zidane... Ouais, mais en dessous de Zidane, ça va être cancel. Ça va être cancel, c'est sûr. Vous pensez pas? Ça va être cancel en pensant que c'est une attaque, je pense. Parce qu'en dessous de Zidane, le problème, c'est que le truc, il fait cette taille. Hein. Genre, c'est gros, il est grand. Hein. Il est vraiment grand. Hein. Je sais pas. Non, ce sera pas possible, en vrai. En haut à gauche. Ouais, mais non, parce que le bleu, ils veulent le garder pour faire un truc. Non, en vrai, on peut pas. C'est pas beau. Quoi, Footix, c'est pas beau? Ah, d'accord, c'est chaud. Vous comprenez pas ce qu'on a vécu, hein. Footix, c'est pas beau? Footix, ça rappelle que des bons moments, vous êtes des fous. Footix, c'est Footix, quoi. Mais non, mais en vrai, le truc, c'est qu'il rentre pas, il est trop grand, c'est impossible. Il est trop grand. Puis, j'avoue qu'il y a déjà Zidane, en vrai, foot, qui prend pas mal de place. Donc, ça va, tu vois. Ouais, la force des fans One Piece, ici, quoi. Go, une andouillette. Une andouillette. Kit paddle, non, je pense pas. En bas à gauche, dans le bleu. Non, il est trop... En fait, il était trop grand, le footix, ça, le problème. Ça, le problème. Bon, je m'unmute, je vois ce qui se passe. De toute façon, moi, dans 5 minutes, je pars sur Rocket League. Hein. Ah ouais? Ouais. Putain, franchement... Ils sont en décalage, reposez là et gardez ensuite. Azabula, elle est vraiment sympa. C'est pas grave ce qu'elle a fait, en vrai. C'est vraiment... Ok, le One Piece, il devrait pas toucher. Gardez vos tuiles. Gardez vos tuiles, ouais, ne les posez pas à la fin, en tout cas. On met celle-là, quand même, ou pas? Si t'en as une maintenant, oui, mais sinon, dans 5 secondes. Moi, c'est fait, là, faut garder. Mais gardez à partir de maintenant. Moi, je la garde. Gardez vos tuiles, mais surtout pas pour attaquer Gonzabella, parce que vraiment, on fera rien contre Gonzabella. Vous voulez faire quoi, là? C'est pour la défense. Y'a rien, bah oui, bien sûr, y'aura rien du tout qui va se passer. Nous, on va pas attaquer, quoi, jamais. En plus, pour le coup, avant, c'était une micro-attaque, c'était juste la réaction, tu vois, c'était pas non plus... Voilà, y'aura pas d'attaque de notre côté ou quoi. Elle taquinait. Donc voilà, quoi. Le logo Twitch qui prend... Ouais, mais ça, non. Il y a un logo Twitch. En bas, ouais, le Twitch. Ah oui, en bas, ah ouais. Là, il y a le Twitch. Ah ouais, il y a deux, trois trucs. Un peu cher, mais ça va. Oh, ça va, il a été reclic. Ouais, c'est bon, les gens sont trop rapides, c'est impressionnant. Ah, c'est au taquet, au taquet. Oula, l'escargot, la bouche de l'escargot. Ah ouais, il y avait un truc bizarre là. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, il y avait un truc. Là, ça partait sur un truc très dangereux là. Ça part sur quoi? Ah, il tire. Ok. Alors, c'est vraiment, c'est en deux, trois traits quoi. Ok. C'est quand, à 16h qu'on a l'overlay Jinx, c'est ça? J'ai plus quand. Ah, je sais pas, j'ai pas entendu. Ouais. 16h. C'est Kamel qui a dit, non, c'est toi, mais je pense qu'il avait. En vrai, si on arrive à bien le faire, ça va être une dinguerie le Jinx. 16h, le 16h, le prochain push, on aura Jinx trop stylé avec la fumée et on aura Daft Punk PNL. Ça marche. Putain, propre. Le Daft Punk PNL, là, trop hâte. Ouais, ça par contre, c'est incroyable ça, ouais. Il est très très beau. Ouais. Attends, mais du coup, il va être déporté de là où il était, ça? Et vous allez le poser où? C'est dans la partie gauche, c'est ça? Jinx et Daft Punk? Ouais, Jinx à gauche et Daft Punk à droite, logiquement. Ouais, okay. Mais Jinx à gauche, là. Oh là le Daft Punk écrit ou les casques, qu'est-ce qu'on a non, décidé de faire? En fait, les casques, non?
Regarde, je... Ah oui, le PNL, le PNL Punk. Ouais. Ouais. Ouais, je l'ai vu, je l'ai vu. En vrai, trop stylé, double ref, truc trop cool. Il y a la... Zidane se fait attaquer, non ? Il y a l'assurance maladie qui a tweeté pour nous remercier pour la carte vitale. C'est vrai ? Incroyable ! Regardez ça, c'est ça qui va arriver après, chat. Mais non, c'est pas possible, on peut pas être dans cette timeline de vie. Sauf qu'on va tous bientôt nous tuer, on les garde bien au chaud comme ça. C'est vrai. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Attends, là, du coup, la suite, c'est ce qu'il y a dans information, la dernière image. La suite sur le drapeau bleu, le côté gauche. Ouais, ouais, c'est ça. C'est une dinguerie. C'est vraiment une giga dinguerie. Mais là, j'ai vraiment, c'est une dinguerie. J'ai vraiment été aussi hypé par un truc. Ah ouais, celui-là, il est légendaire, lui. Légendaire. Ah, oh, you Archie. C'est pas vu Archie. Coucou. Kikou. Kikou, s'il y a des gens qui arrivent. Kikou. Ça fait rien, excusez-moi. Kikou. Mais non, mais moi, j'étais mute. Et quand tu penses à part ça, à tout ce qu'on a fait depuis ce matin, il y avait juste le drapeau français, les trois couleurs. Et n'oubliez pas la team nuit, hein, parce qu'on a tout donné aussi. Ah ouais, vraiment. Le GIGN, on était là, incroyable. C'était la force de frappe, vous. Nous, on a été le maintien. Ouais. Ouais, c'est ça. La forme de la force de frappe, pas du tout discrète. Le jinx, il va être démentiel. C'est impossible, ça. J'ai trop hâte. Ah ouais, moi aussi. Sachez que j'ai un œil sur eBay. Hein. À tout moment, je vous dis. Ah oh ouais, tu nous dis, toi, t'es l'espionne là. Bah ouais, moi j'espionne là. Par contre, j'ai vraiment rêvé que je posais des pixels. Mais toute la nuit. Ah merde. Enfin, j'ai dormi quelques heures et j'étais dedans quoi. C'est j'allais vraiment... dire, t'as réussi à dormir déjà. J'ai dormi 3 heures. M'étonne. Mais c'est que je parle pas espagnol, moi. Ah oui? C'est bonheur, là, l'espagnol. Si hay un problema, me dices. Me dices, tontino de la Vega, si señor, ¿qué pasa? En vrai? Tout comme tonton, moi, qui espagnol. ¿Quieres un problema? Vamos. Hola, me llamo... Vale, 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 ya, 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 ya. Ya. Putain, je me rappelle, de base, je devais faire chinois LV2 quand j'étais au lycée. Ils m'ont forcé à faire espagnol parce qu'ils voulaient pas me voir déambuler dans les couloirs. Résultat, genre, j'ai eu. Mais oui, c'était n'importe quoi, mais du coup, genre, j'ai un niveau claqué en espagnol, c'est terrible. Robert, Robert. Je te jure qu'en fait, genre, au début, tu sais, j'étais avec ma prof d'espagnol, et en fait, elle parlait tellement vite, je voulais juste lui dire de ralentir, tu vois. Mm. Je lève la main, je fais excusez-moi, madame, et là, tout de suite, elle me fait en espagnol, por favor. Mm. Et du coup, tu sais, je me dis, bon, bah, du coup, je vais dire excusez-moi, madame, tu vois. Et du coup, je dis, mujer. Oh. C'est parce que moi, je pensais que ça voulait dire madame. Oh après, non. Après, il y a une histoire... Si, Hortense, tu le racontes. Oh. Bah, en gros, une semaine avant le bac, ma prof d'espagnol est arrivée 15 minutes en retard, et du coup, elle a dit, bon, laissez tomber, de toute façon, vous êtes prêts, tant pis, on annule le cours, allez-y. Mmh. Et je lui ai dit, grazie mille. Et c'est vraiment l'italien. j'ai un petit message à transmettre, si c'est possible, à tout le monde. Il oui. Y a apparemment le Reddit suisse qui m'a contacté. Oh, vous savez le drapeau suisse qui est en bas à droite? Ouais, moi. On devrait bien faire quelque chose dessus, parce qu'on peut arrêter de le défendre comme des sauvages. Ah non. Parce qu'il est à nous, il est à nous, mais le Reddit suisse m'a demandé s'il pouvait faire quelque chose avec. Rajouter des trucs, je pense. Ah oui, c'est qu'il va, non? Le Reddit suisse. Mais comme il est à nous, parce qu'on l'avait fait pour moi à la base. Enfin, pour Baguera, oui, pour moi. Ouais, ouais. Un petit, on avait pris ce petit côté tout à l'heure. Bah ouais, en vrai, il faut ce qu'il veut. Moi, j'ai une chose à dire déjà dessus, ça serait cool de le rendre carré, parce qu'il n'est pas carré. Ouais, déjà, il n'est pas carré, j'avoue, c'est un peu. Voilà, donc vous allez perdre de la place. Non, mais c'est pas grave, tu raccourcis juste le blanc sur les côtés, tu peux laisser la ah, ok, d'accord. Ils peuvent le défendre pendant 5-10 minutes, juste qu'ils puissent faire leur truc, on regarde et... Et après ça serait cool de faire des trucs et dessus. Et ouais. On les aidera. Vas-y. Donc on peut leur laisser travailler un petit peu sur le drapeau suisse. Et en vrai, ton sens, c'est qu'il y a pas mal de petits drapeaux et de trucs cool, hein, suisse. En vrai. Ouais, avec la tablette, ouais. Ouais, il y a le cervin, la tablette et tout, c'est trop cool. Il est trop beau, celui-là. Attendez, en fait, je savais pas si je voulais le mettre là, je voulais juste voir la taille. Je voulais juste voir la taille. Mais c'est pas français le champi. Non, après One Piece.
C'est pas... Non plus. Super. Et bah, il a lancé, il parle de respect. Ah, ok. Ok, ok. On s'en fout que ce soit pas français, genre, en vrai, on s'en fout. Champignon de Paris, tu vois. On s'en fout. Mais en fait, je voulais surtout voir si ça rentrait, déjà, de base. Premièrement, je voulais voir si ça rentrait, mais... pas aller là, tu vois. Petite bouteille de Ricard, mais en fait, il y a déjà des bouteilles, des trucs comme ça. Il y a plein de trucs comme ça, tu vois. Tu vois. Il y a plein de trucs comme ça. One Piece, t'es pas sur le drapeau. Non, non, One Piece, ils l'ont refait là parce que c'était leur terrain, je crois, de base. Mais en fait, le truc, c'est qu'en gros, là, il y avait des gens... Alors, apparemment, ce serait les Espagnols, mais j'en sais rien. Qui essayaient de mettre le... Tu sais, qui forçaient pour mettre le drapeau français. Donc, arrivés, là, qui mettaient du rouge, là, du blanc, là, du bleu, etc., etc., etc. À un moment, on a dit, vas-y, stop, stop, parce que les gens vont penser que c'était nous, que ça allait être nous. En fait, du coup, ce matin, on a mis Not Us avec une flèche vers le haut. Puis après, on a tout supprimé. Et genre, on a commencé à faire une planète dans l'espace et tout. Et tout le monde s'est mis à mettre son petit drapeau sur la Terre, à l'endroit où il est censé y avoir le pays. Et franchement, c'était assez stylé. Hein. En vrai, c'était assez stylé. Ouais. Tu as vu le nombre de mangas sur l'Arc de Triomphe ? Oui, 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 bien sûr. Mais il passe bien, en fait. Il passe super bien. C'est comme le vélo, ça passe trop bien, en vrai. Ouais. Ça passe trop bien. Une guillotine. Il y a déjà une guillotine, en vrai. La fleur de l'ombre se fait attaquer, mais la fleur de l'ombre, elle se fait attaquer, mais elle se fait aussi surtout défendre, en fait. Parce que non-stop, elle se fait attaquer, mais elle se fait vachement défendre aussi, non ? Je répète, il y a un cooldown, ça finit dans 3 minutes. Non, je pense pas, non. Ça m'étonnerait vraiment. Il y a un cooldown, ça finit dans 4 minutes. Vraiment ? Non, c'est impossible. C'est littéralement impossible. On peut rien faire. Non mais là c'est très bien, la défense est très bien. De toute façon, là c'est simple, il n'y a pas grand monde qui attaque. Même STI2D, je crois pas qu'il nous attaque. Hein. Enfin, je crois pas que ce soit spécialement une attaque ou quoi que ce soit. Hein. Genre, juste il monte tranquille, etc. etc. Et là, bah, y a les Néerlandais qui nous défendent. Donc, tu vois. Si, STI2D attaque, 100% sûr. Ah oui. Bah, go défendre, de toute façon... En fait, le truc, c'est que ça fait 3 heures que ça attaque, mais ça fait 3 heures que vous défendez, en soi. On est d'accord ? C'est-à-dire que... Bon, là, ils ont tout cassé ici, on n'a rien pu faire, j'avoue, voilà. Mais là, en fait, vous défendez. Tranquille, ça se passe. La défense se passe bien, ouais. C'est juste chiant qu'ils aient pris autant, parce que pour le coup, ils ont supprimé plein de trucs qu'il y avait sur le côté, tu vois. Oh, des boules de pétanque ! Boules de pétanque, pixel art. Oh, l'idée de fou, pourquoi j'y ai pas pensé avant ? Oh la dingue! Pardon, j'ai mis il y a un énorme champion au milieu, pardon. Oh la dinguerie! Ah, mais là, faut une place de fou. Là, faut une place de fou. Oh, ce serait incroyable. Mais c'est impossible, c'est beaucoup trop grand pour le coup. C'est vraiment, vraiment grand. C'est vraiment grand. Ouais. Ouais. Et je peux pas faire ça, là c'est beaucoup trop grand, rendez-vous compte. Ça c'est une dizaine de pixels là. Trop grand. Qu'est-ce qui se passe ? Thomas se fait attaquer ? Ah, il a un peu de morvonné mais c'est tout. Ça va. Ça arrive. Ouais, il a qui coule. Oui. Un petit coup de vent et c'est fait. Hein. Même Thomas Pascal rhume et ça c'est beau. On est tous égaux. Hein. Bon, la Suisse, ils ont réussi à faire un truc. Ah, la Suisse extend ! Attends, ils prennent du... Ouais, attends, on nous a pas demandé, ça. On nous a pas dit d'attaquer Brest, là. Non, bah alors, pas si neutre que ça. La neutralité... La neutralité... Ils devaient un petit peu faire quelque chose et après, ils extendent, quoi. Après tout, pourquoi pas ? Ça fait un carré comme ça. C'est eux, en haut. Gourmand. Non, mais en fait, c'était pas la Suisse au départ, c'était territoire français, mais du coup, on fait une petite alliance, on est tous d'accord. C'est ça, on a fait un petit drapeau suisse tout à l'heure, ici. Allez, s'ils sont chauds. Oh, c'est tellement beau le tableau de la révolution derrière, là. Derrière la ouais. Ah, il y a le tableau, j'avais pas vu ça, j'avoue. Il est incroyable. Est-ce qu'on a le script arcade encore ou pas ? Il y a vraiment trop de trucs trop impressionnants. Hein. Attends, je vais F5. Je vais checker un coup.
Moi je l'ai pas en tout cas, pardon. Non, moi je l'ai pas non plus. Qu'est-ce qui se passe? Oh. Non, bah on attend juste le script Arcane et Daft Punk de notre côté. Ouais. Ok. Ah, attends, ça commence à bouger sur le bleu. Ouais, ça commence à bouger sur le bleu. C'est une attaque ou c'est... Je crois que c'est juste des pixels random. En tout cas, moi, j'ai rien. Je pense que les gens s'excitent pour le Jinx en attendant. Tu crois? Ah non, c'est une attaque, je crois. Regardez, Zidane. On se fait attaquer où? Vas-y, Dan. C'est la partie bleue, mais... Mais en vrai, c'est une petite attaque. Ouais, en fait, ils transforment le doigt en tub en perma, quoi. Mais chez eux, c'est encore tôt, en fait, au côté États-Unis. Pourquoi pas un doigt tub, en fin de compte? Écoutez... En fait, nous, ça va parce qu'en fait, là pour l'instant, on a que l'Espagne contre nous. Hier, on avait Espagne plus États-Unis, sauf que là pour l'instant, US, c'est encore assez tôt chez eux, donc je pense que ça va encore. Ouais, ouais. C'est plus tard qu'on va être. Enfin, si ça dure. Bah, du coup, là, 16h, c'est passé, donc de toute manière, c'est jusqu'à au moins 18, je pense. Ouais. Donc. La Suisse, elle se fait attaquer là ou pas? Non, c'est eux qui extendent tout ça. Ok, d'accord, ouais, on est d'accord. Ils ont décidé de prendre du territoire à nous. Et ils ont bien raison. En fait, c'était surtout le fait que c'était pas un carré et que du coup, pour le régler, ils ont dû prendre un petit peu d'eau dessus, mais ça va. C'est... La dernière fois que j'étais allé en Suisse, c'était pour la Polymanga. Je crois que c'est... j'ai rarement vu un salon aussi bien organisé pour le coup en termes de convention. C'est beau, hein. C'est dans deux semaines, d'ailleurs. C'est dans deux semaines. Ouais. Tonton, on y sera ensemble. On fait la grande scène ensemble. Ouais, on fait la grande scène ensemble. Vas-y. Mais à part maintenant que je t'ai, il faut faire quelque chose ou pas? Non. Ok, on t'a rien. Il faut être là et être beau. Parce que du coup, c'est la pression, tu sais, ils m'ont dit tu veux venir et tout, juste venir, tu vois, en tant qu'invité. Je dis ok. Après, il y a des gens qui m'ont dit oh, tonton, j'ai vu que t'allais faire une conférence et tout. J'ai non, alors ouais, j'ai beaucoup demandé pour le coup. J'ai demandé, et en fait, en gros, ce sera juste des questions qu'on nous pose et on connaît les réponses sur nous. Et pour le coup, ce qui est cool, c'est que la grande scène, on sera à 3, je crois. Juste un truc, apparemment, je sais pas si vous savez, mais si vous dites Nesquik, la foule devient fou. C'est vrai? Ouais. Dites oh Nesquik, je sais pas pourquoi. Moi, quand j'y étais, tu disais Nesquik, tout le monde applaudissait. Ah ouais, après chaque année, un peu les private jokes, ça qui sont. Je suis plutôt Suchard, c'est pour ça. Apparemment, Ivaï est en train de dire qu'il fait une alliance avec d'autres streamers pour attaquer. Qui viennent. Je crois qu'il parle d'hier. Ah bon? Il me semble. Oh, le drapeau suisse, ça devient... Là, ils disent, il sera allié avec 4 autres streamers. Il parle d'hier soir ou... Autre chose, process pour le drapeau. Après, peut-être il parle d'hier soir, mais dans l'optique de recommencer. Ah non, il résume hier. Ouais, Ok. Ah, t'es Reddit suisse, ça a besoin de notre aide. Vous êtes en train de faire quoi, Reddit? On n'a pas besoin d'un calque si c'est juste la croix. Je crois que vous êtes en train de monter la croix, non? Oui, il la monte. Pour faire la croix, ça devrait aller, on n'a pas besoin d'un calque. Mais là, par contre, c'est la croix de l'Antichrist. Là, il a non, mais il la monte. Ça fait un les gars. Il prend un tournant. Il la remonte. Est-ce que je les aider à remonter la croix de quelques pixels? Ils essaient de la centrer au. C'est toujours pas carré. Des vaches. Une montagne derrière, ça serait cool, pourquoi pas. Ah, c'est l'exor suisse. J'avoue que c'est l'exor suisse. Attends, on a pas beaucoup de symboles. Je reviens. Les montagnes. Yonu. Hello. Ça va ou quoi? Ça va ou quoi? Depuis tout à l'heure, ça a bien avancé, j'ai vu là, la petite guerre des pixels. Ouais, bah en fait, ce matin, du coup, quand je vous ai rejoint, il y avait juste le drapeau et le. Enfin, il y avait l'Arc de Triomphe qui était exceptionnel, mais sinon, il y avait juste le drapeau et Zidane qui commençait à se dessiner, tu vois. Ça a mis un peu de temps parce qu'en fait, le truc, c'est que. On faisait rien, on faisait pas de dessin, tu vois. On a essayé 2-3 dessins qui sont restés, après ils repartaient, tu vois, on a essayé des trucs. Mais là, au moins, il y a de la gueule, il y a beaucoup de dessins, ouais. Il y a beaucoup de dessins. Et je pense que c'est moins embêtant, en vrai. Parce que quand il n'y avait que le drapeau, j'avoue que... Bah, c'est chiant. Bah oui. C'est juste relou, ça prend de la place pour pas grand-chose, tu vois. Bah, ouais, surtout que... Ça, je comprenais le truc. De la full couleur en pixel art, c'est un peu dommage, oui. De ouf. Oui, c'est un peu du gâchis. Mais là... Non, là, c'est stylé. Là, t'as Zizou, t'as Népal, t'as le Louvre, t'as Thomas Pesquet, t'as la Lofi Girl, t'as la Liberté Guy dans le peuple, t'as Ratatouille, t'as des croissants, t'as des escargots, t'as du fromage, t'as un Rayman, t'as du vélo. Franchement, c'est propre. Hein. Le Thomas Pesquet, mec, il est exceptionnel. Thomas Pesquet, j'arrive. Non, c'est cool, c'est bien. Après, le croissant, je sais qu'il y en a qui ont fait la remarque en disant « Mais le croissant, c'est pas français. » Alors, effectivement... Hein, c'est une viennoiserie, mais... Oui. Mais bon, c'était histoire de changer du cliché de la baguette. T'as vu, mec, j'ai fait une carte vitale. Du coup, l'assurance maladie, elle était trop contente. Mais j'ai vu, ouais, ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens, genre. Let's go. Ça me détruit.
Il manque les Daft Punk. Non, ils y sont, ils y sont, ils y sont. Ils sont ailleurs, ils sont. En vrai, ils y sont, ils y sont. Ne vous inquiétez pas, ils sont là. Ils sont là. C'est pas facile à trouver aussi des nouvelles choses, des nouvelles idées, parce qu'il y en a déjà qui sont utilisées. Il y en a déjà beaucoup. Le coq, il est là, la guillotine. Bah, c'est ça, à chaque fois que je suis en mode, bah vas-y, on va essayer ça, ouais, ça y est déjà, bon bah. Ah ouais. Mais c'est bien, non, mais franchement, c'est cool, le petit Rayman, tout petit, tout mignon, il me fait trop rire. C'est bien pensé, hein. Ubi, ouais. Même si Ubi, ils sont un peu lâchés, mais. Ubi, en vrai, Ubi. Bien Ubi. Ubi, quoi. Ubi soft, quoi. Je rêve toujours des deux étoiles. Ouais, Exakil, on a hésité à faire les deux étoiles et tout, après, bon. On a deux. Dofus, enfin je crois que c'est des autres Dofus, et oui, Dofus c'est un studio français, mais. Oui, Ankama, ouais. Oui, c'est pour Ankama. Ça, au début j'ai vu les trucs, j'étais en mode quoi, et puis après je me dis non, mais oui, Ankama, bien sûr. Donc en vrai, c'est ok, tu vois. En vrai, ça passe, en vrai, c'est une ref. Mais le fait d'en mettre deux, je sais pas, mais pourquoi pas. Son retour, quoi. Oui. Tu vois. C'est ok, en vrai. Mais ouais, il y a Notre-Dame, mais en fait, il y a le Reddit français, il y a plein de gens, forcément, il y a pas mal de trucs, et il y a un Notre-Dame, alors je sais plus où il est, mais il est magnifique. Hein. Notre-Dame, c'était... Il est là. Ah oui, voilà, c'est ça. En plein milieu, il est magnifique. Il y a BZ à chaque côté, hein, qui est en train de prendre le... Ah, ils sont en train... Par contre, ils attaquent l'Allemagne, hein. La Bretagne a fait... Vous, la Bretagne qui attaque l'Allemagne, là. Oh là, je comprends. D'ailleurs, premier degré, ça m'étonne qu'il y ait entre guillemets si peu de Bretagne représentée parce que on les entend toujours parler. Pour une fois que tu vois, genre il pourrait y avoir un drapeau breton giga défendu. Il y a rien, mec, il y a R. Il y a ça actuellement. Et ça va pas rester, à mon avis. Les Allemands, ils vont venir. Quoique, mec, en vrai, tu vois, avec la place qu'ils prennent, je pense que ça se fait de laisser le drapeau. Ça me choque pas, tu vois. Mm-hmm. Ça le fait, non? Ah bah, on verra. Hein. Je vais dire à Wingo de venir. Wingo juste vient. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, Wingo? On est sur vocal avec Onu Bro. Ok. Il est sur Elden Ring, mais qu'il est en plein train run et tout, ça me régale. T'as vu combien on est à avoir internet en Bretagne? Abuse pas du tout, arrête. C'est masse fibrée et tout. De toute façon, la majorité des Bretons sont pas en Bretagne. Bah en fait il y a beaucoup de Bretons à Paris, quoi. C'est pas de fouf, hein, c'est... En fait c'est surtout ça, quoi. Ça me fume. Panneau de ville derrière moi, c'est le panneau de Park Baby. C'est le panneau de Park Baby. Hello Wingo. Yo Wingo, ça va ou quoi? Yo, ça va et toi? Et vous? Pardon. Très bien, mec. Ça va, ouais. Tu peux nous tutoyer si tu parles de nous tous les deux, quoi. Et vous, cher homme, comment ça va? Ça va, bro. Alright. Et du coup, tu m'as dit que t'avais trouvé un petit espace. Ouais, toujours fatigué. Après, ça va, j'ai dormi, donc ça va. En vrai, c'est pas. Ouais, mais c'est incroyable parce que vraiment, ça a pris 30 minutes. Il y a un endroit qui paraissait vierge de ouf, tu vois. Et en fait, au moment même où on a essayé de faire quoi que ce soit, on s'est fait complètement rectifier. Ah bah ouais. C'était abusé. Où ça? Reddit Place. C'est où du coup? Et du coup, on a trouvé un endroit. Bah, en fait, si tu veux, j'ai fait un petit tweet marrant justement pour ça. Ah. Peut-être que tu verras l'endroit. Ouais, je vais voir ça. Bah, moi, je venais de start une run Elden Ring, mais après, je peux m'adapter aussi. Hein. Alors. Attends, mais quoi? Là, ça va, on est peut-être en train de le faire. Le W s'installe dans le. Mais attends. Attends, essaie de le mettre. Attends, il est tout. Ah mais c'est le W, celui-là là? Ouais, c'est mon logo. Ça me fume. Du coup, attends, c'est tout. Ok, à gauche de ça, je vais essayer de trouver. Tu vois la licorne Among Us? Je sais pas si tu vois. Il y a une licorne Among Us un peu au milieu de la map. Licorne Among Us au milieu de la map. Je sais pas où chercher, j'ai l'impression de chercher n'importe comment. Ouais, il y a trop de trucs, je me perds. Milieu bas plutôt, t'as une grande licorne. Oh, le Bojack Horseman, j'avais pas vu, il est exceptionnel par contre. Ouais. Ah bah, c'est ça. C'est pas une licorne. C'est une vache. Attends, on parle de la même chose? Ah mais du coup, t'es là! Trop propre! En dessous du The Event peut-être, je sais pas. Trop propre! Incroyable! Ouais, mais c'est incroyable, genre vraiment c'est incroyable. T'as trouvé ton petit espace? Parce que tu vois, on n'était pas forcément
bah, aussi nombreux que dans plein d'endroits. Et avec ma petite équipe, on a réussi à faire ça. Ça nous a pris peut-être une demi-heure à prendre la zone, tu vois. Oh, c'est quand même bien joué. Ah, ça rattaque, par contre. Non, faut défendre la zone Domingo ici. Hein. Bien joué, en vrai. J'ai même pas pensé à demander. Mais ouais, c'est pas une licorne. Hein. C'est pas grave. Et c'est une vache, du coup. Bah, je pense, en vrai. Ouah, une vache licornaire, quelque chose comme ça, tu vois. Une vache licornaire. Moi, ça me fume. Il y a une fleur qui a été faite hier parce qu'il y avait écrit Twitch FR. Tonton avait écrit ça. Du coup, on avait fait une fleur au-dessus. Et les Néerlandais ont agrandi leur drapeau. Ils ont respecté la fleur. C'est-à-dire que la fleur est là, toujours. Elle se fait défendre. Et tranquille, elle est sur le drapeau néerlandais. Ça me termine. Petite fleur. Et il y a une fleur de l'ombre aussi, tranquille, à droite du gros espace francophone. Petite fleur de l'ombre au calme. Ça régale. Ouais, en plus, on a besoin de jouer ou rajouter un petit FCF quelque part. Un petit FCF quelque part. J'avoue que. Bah attends, montre. Bon, soi-disant, ma zone se fait oblitérer. Ah, ah ouais. Oh, c'est pas cool. Où ça? C'est compliqué. Oh, mais t'avais un tout petit espace qui était facile. Non, tranquille, ça se défend bien sûr. Moins il y a un de cases et plus c'est facile à défendre. Ça défend bien. Mm. Merci à tous. L'avantage, c'est j'ai pris en screen le pattern. On sait exactement quel pixel va où. ça bouge pas. Putain, j'ai fait une run Elden Ring ce matin quand je vous regardais. 12 minutes. En plein noir. Ouais, j'ai fait 12 minutes. 12 minutes, non mais d'accord. Le game est 5 minutes au record du monde, d'accord. Ok, non, bro. Par contre, j'ai one shot Margit une fois de plus. Et par contre, j'ai ultra galéré sur Godric, mais quelle étape exactement? P2 comme d'hab, moi c'est la phase c'est qui m'embête mort le plus. De tout, c'est que qu'est-ce qui s'est passé? Non, j'étais pas dedans, je pense. T'es mort du coup? Ouais. P2. De manière récurrente. La gridance, la fameuse gridance. Bah là, je sais pas. Non, j'étais pas dans le rythme en fait. C'est vraiment juste ça, tu vois. Ouais, ça arrive. Mais comme je t'ai dit. Les gens vont pas comprendre parce que on traîne en off, mais un coup chargé, un coup de base et tu roulades out à chaque fois. Et en vrai, la P2 elle passe. Elle est un peu plus longue, mais elle est safe. Ouais. Ah oui, merde. Hop. C'est marrant parce que. Ouais, la Jinx up, j'ai vu. Ouais. C'est marrant parce que je trouve que ce truc, ça. Je trouve que ça fait vachement écho quand même à la francophonie et où la France, tu vois. Genre en mode, on est là, on veut prendre un gros truc et tout. Et après, bon, là. Là, c'est en train de me contredire parce qu'il se passe un truc, mais... Et après, tu sais, on a du mal dans cet immense espace à faire un truc cohérent, où on est d'accord et on se laisse tous aller, chacun a son petit truc et tout. Bon, là, franchement, ça va, c'est quand même propre. Mais il y a eu un moment où pendant 3-4 heures, on avait un immense endroit où il se passait rien parce qu'on pouvait rien faire. Genre, c'était assez, assez révélateur, si je puis dire. Ouais, je comprends le truc. Mais c'est vrai qu'il y en a qui le prennent très, très, très à cœur. Bien sûr. C'est important. Bien sûr. Attends, je me suis trompé de couleur. Oh, j'ai troll. J'ai troll de fou. T'as mis un petit indigo là. Troll de fou. Trop hacker. Oui, trop hacker. Oui, trop hacker. Ouais. Mais tu vois, genre par exemple, tu vois, Zera, il arrive sur le vocal, il dit ouais, faut qu'on attaque, machin. Frère, on a 1/20 de la map qui est à nous, elle est vide. Faisons quelque chose. Genre, faisons un truc. Ouais. Bah, ouais. Il a carrément le champ de Porchan, hein, s'il veut attaquer des gens. Mais là, au moins, là par contre, ça se remplit, c'est cool en vrai. C'est cool. Il se passe des trucs, tu vois. Genre là, ça commence à être un peu plus stylé. On voit clairement un beau Thomas Pesquet et tout. C'est bien. Ah, le Népal est fabuleux. Le Népal est incroyable. Franchement, les Among Us dans l'Arc de Triomphe, c'est rigolo. Moi, je trouve que ça dénature pas trop. Ah, en haut quand même, tout en haut, ouais, c'est, je sais pas. C'est attends, c'est Napoléon. Non, mais oui, c'est vrai que moi, j'ai vraiment. Fais très attention, je voulais vraiment pas prendre une zone qui appartenait à quelqu'un où tu voyais que c'était quelque chose qui était un peu son petit truc à lui et tout. Là, j'avoue qu'il y avait un gribouillis rose à l'endroit où la zone a été trouvée. Il y a quelqu'un du chat qui m'a dit mec, peu importe ce que t'en penses, cette zone deviendra la tienne. J'étais là en mode ok, du coup je veux voir, tu vois. Après, et, ça va, et en vrai, tant que t'as rien détruit de, tu vois, d'insane, et encore,
C'est aussi un peu le but. Après, tout détruire, bon, c'est pas dingue si t'as pas un projet incroyable ou qu'il n'y a pas des raisons, tu vois, quand même. Moi, j'avoue que le but, c'est aussi faire un truc collaboratif où tu vois plein de choses qui en ressortent. Pas que qui aura le plus gros espace non plus, tu vois, genre... Non, mais oui, c'est ça, c'est vraiment ça. Okay. C'est pour ça que moi, je voulais juste avoir ma petite pierre dans le tableau parce que je trouve que c'est historique par rapport à Internet, quoi, on va dire. Mais sans faire chier qui que ce soit. Bah, t'es trop bien, là, en vrai. Ouais, je suis trop content. Trop bien. Défendez Népal. Alors non, apparemment, c'est normal. Népal est décalé pour laisser place à un petit bout de Daft Punk. Ne vous en faites pas, en fait, c'est normal. En vrai, c'est normal. Tout est sous contrôle. C'est normal, ne vous inquiétez pas. Tout est sous contrôle. Il y a un script actuellement pour mettre les Daft Punk ici. Un overlay. Ouais, il y a un overlay, évidemment, un overlay. Oui, un overlay. Donc c'est normal. Un overlay. C'est normal. Bien sûr. Non, j'avoue, Nagato, pour te répondre, là, j'étais moins concentré que d'habitude, on va dire. Ah, parce qu'il y avait besoin de savoir si le drapeau était encore là, quoi. Bon, les gars, dans 40 minutes, on a un match. Ouais, bah, je suis grave chaud, c'est-à-dire que j'ai lancé le jeu beaucoup. C'est ironique ou pas? Non, je pense pas. Je pense pas non plus. Ouais. Ça va, ça va être un sacré match. Ouais, je peux vous dire, je suis allé chez le coiffeur aujourd'hui, donc c'est absolument imperdable. Ok. Les deux scrims, back to back. Back to back. Par contre, moi, j'ai réfléchi à quelque chose que je vais vous proposer. Il y a un FCF au niveau de la fleur de l'ombre qui est en train de se faire tranquille. Mais tranquille. Ouais. Non, FEF. Ouais, mais c'est juste à enlever ça et c'est good. Ouais. J'avoue que moi, il y a un moment où j'étais vraiment en train de désespérer dans le fait de trouver une zone. Et j'ai hésité à te demander, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen juste de prendre le... Mais grave en plus. En bas à gauche de la zone et tout. Et bon, finalement, on a trouvé, donc je suis content, tu vois. C'est moi, faire notre petit truc aussi, mais... Moi, j'ai rien vu. En vrai, c'est les fleurs qui se sont organisées pour faire ça. Faire le ratus d'Ultia, le cerveau de Rive, des cœurs et tout. Hein. Et ouais, ça rend trop bien. Ils sont gavés, c'est trop bien. Vraiment, ils sont trop forts. Hein. Moi, j'ai rien fait du tout. En vrai, un petit coquillage, c'est joli si jamais... Non, après, c'est... Bah, vas-y, bro. Ah, bien sûr. Un petit. J'ai pas demandé ce matin, j'aurais pu, hein. Bah, ça se faisait. J'avais la marche, mais je l'ai pas fait. Ça se fait, tranquille, ta petite pas osé, édifice, quoi. Pas osé. Il y a le logo de la Starac, on me dit. Attends, montre le screen. C'est vrai que c'est le logo de la Starac, mais je sais pas où c'est parce que ça a l'air minuscule. Incroyable. Incroyable, ça me fume de rire, ce genre de truc. Détruit. Mais par contre, quand tu regardes. À une certaine échelle, je trouve ça vraiment magnifique. Il y a trop de trucs trop trop beaux. Oui. Et vraiment bien fait. Il y a des jolis contrastes dans le choix des couleurs et tout. Enfin, je sais pas, il y a trop de trucs trop cool. Je suis d'accord avec... Apparemment, j'ai raté le truc de la Starac. Je suis d'accord avec toi, je trouve ça aussi absolument incroyable tout ce qu'il y a. Et pourtant, quand on regarde le nombre de couleurs disponibles, il n'y en a pas tant que ça non plus, hein. Non, mais c'est ça qui est bien avec le pixel art, hein. C'est que tu peux faire vraiment des trucs avec pas énormément de couleurs. Après, il y en a quand même pas mal, hein. En vrai, ça commence à faire. On est pas sur 16 bits, quoi. Il y a de la nuance, il y a quand même 3... Mec, il y a 3-4 verts différents, hein, quand même. C'est on est quoi, sur 32 bits, là ? Combien de couleurs ? Aucune idée, j'avoue. 32 ! Oh, vraiment ? 32, c'est 32. Du 32 bits. 32. Ok. 32. Ah ouais. 32. Ok, bah si vous êtes chaud, go RL, je suis assez chaud en vrai. Ouais, go, c'est parti, on y va, j'ai lancé le jeu. À l'instant même, on y va. Ok. Ah, merde. J'arrive juste une seconde. Ouais, j'essaie de kill Godric et j'arrive. Hop, bonjour, je propose qu'on fasse un petit coquillage au pied de la fleur de l'ombre. Mais go, en vrai go, hein. Je le dirai, Koya. Après, je le dirai. On va aller sur RL. On verra plus tard pour ça, si jamais ça continue et tout. En vrai, c'est sympa, hein. C'est vraiment sympa comme truc. Il y a plein de trucs qui se créent. Il y a des trucs aussi qui disparaissent, des fois. Normal, hein. Mais c'est des barres. C'est vraiment des barres. Pensez à bien défendre, si jamais vous êtes chaud, défendre toute cette partie-là. Vous avez les scripts aussi... Les overlays, bien sûr, de disponibles, si jamais vraiment vous voulez. Pensez ce petit Rayman à le défendre tranquillement. Fleur de l'ombre à défendre. N'hésitez pas si vous voulez faire un coquillage avec grand plaisir en vrai. Et la fleur en haut à droite aussi à défendre. Juste parce qu'il y a des gens qui disaient, mais du coup, la prog, on l'aura quand ? En vrai, la prog de cette semaine, je vous la montre maintenant. Je vous la montre maintenant, il n'y a pas de suspense, boum. En fait, il n'y a aucun suspense. Il y a Zilan à la fin de la semaine.
Moi, c'est une semaine Dylan. Le Met des Fleurs n'a pas eu lieu aujourd'hui parce que Pixel, parce qu'il y avait cet event Pixel. En vrai, c'est tellement rare que autant en profiter quand même tous ensemble. On a passé une bonne journée dessus. C'était sympa en vrai. Donc, pas de Met des Fleurs ce lundi et full Dylan. Ouais. Pour le coup, c'est du full Dylan. OMG live 72 heures. Non, c'est juste que on sait pas à quelle heure ça commence, ça finit. Même vendredi, hein, j'ai mis début 18, mais autant ça commence avant, autant ça commence après. Tu vois, je sais pas du tout. Mais voilà, on est vraiment sur une semaine Dylan où en gros, là on va partir sur Rocket League. On va avoir un show match contre l'équipe de Kenny Hardest et Nuja. Ils sont très chauds. Ils sont très très chauds. On aura aussi un match contre Jimmy Boy, Gil et Ponk. Voilà, donc on a quand même deux matchs d'entraînement assez solides contre deux teams assez solides. Puis demain, toute la journée, on se traîne. Mercredi, toute la journée, on se traîne. Jeudi, pas de live. Justement, on va à Zilan. On arrive, on s'installe, machin. On s'installe encore vendredi. Et vendredi, vers 18h, je sais pas encore à quelle heure c'est exactement. Boum, début de Zilan. Voilà. Mettre des fleurs en soirée, au pire. Ouais, mais en soirée, moi, je traîne Zilan. Hein. Cette semaine, c'est vraiment du full Zilan. Hein. Donc voilà. Voilà, il y a des chances ce vendredi que ce soit 18h. Ouais, il y a des chances, ouais. Ouais. Voilà, comme ça vous savez tout, il n'y a pas trop de suspense sur cette semaine, c'est vraiment le dernier rush Zilan. Voilà. C'est ma commu et moi-même le logo de la Starac. Putain, bah GG Flonflon. En vrai, incroyable. GG. Ouais. Non, pas de stream, je dis, je serai sur la route en fait. Avec Wingo notamment. Ouais. Ouais. Merci Longfall pour le 13e mois. Merci à toutes et tous hein, pour vos abonnements, vos réabonnements. Merci pour votre gentillesse. Merci pour tout. Merci Bulbiquac. Merci beaucoup. Le stream voyage. Non, je serai pas en live. Arrêtez. On sera en voiture avec Wingo. Tant que Pompon soit de retour. Je suis de retour. Tell me. De retour. Et tell pas me, pour nous jouer un mauvais tour. Non. Tu es Godric. Hein. GG. Ce que je voulais vous proposer, c'était en particulier, c'est pour revenir un peu au sujet Rocket League. Ouais. En particulier pour le Hit Seeker, donc vous savez quand la balle est oméga rapide et que Ponce tu vas bump les gens. Ouais. En fait, moi ce que je voulais vous proposer, c'est que la personne qui se retrouve avec moi dans les cages, que plutôt qu'elle soit en deuxième défenseur, qu'elle soit à la fois en deuxième défenseur, mais aussi en bumper pour faire chier le mec qui nous attaque sans arrêt, enfin qui me focus sans arrêt en fait. Parce que je pense qu'on peut être très gagnant là-dedans et que en fait je peux avoir quasi 100% des balles si d'accord. Si j'ai de la place sur le terrain quoi. Mais est-ce que là on va pouvoir tag pour s'entraider sur ce mode? Non, c'est ça le problème, c'est que ça c'est que en partie perso avec des viewers tu vois. Bah c'est ce qu'on fera tout à l'heure quoi. En match d'entraînement c'est le principe quoi. Ouais, du coup, ouais. Ouais. Ok. Mais moi, je voulais vous proposer ça. Donc, Onu, ce sera aussi à voir, forcément, puisque ce sera plus ton rôle, normalement. Ok, mais, ouais. Mais ouais, moi, je pense que ça peut être vraiment intéressant, parce que la dernière fois, Nuja, il avait 10 heures de jeu, et il m'a bien fait chier. Donc, pense que là, maintenant, ça va être insupportable. Je pense que ça va être hardcore, ouais. Et donc du coup voilà, je me faisais un peu cette réflexion là parce que... Mais du coup là vous voulez qu'on s'entraîne en quoi? Game normal à 3 et let's go? Soit ça soit les autres modes de jeu. En mode de jeu peut-être, je sais pas. En mode de jeu, moi je suis chaud mode de jeu. Les fleurs, n'hésitez pas à mettre le fond comme ça en rose pâle autour du FCF, ça passe très bien. Et je crois qu'il y a le Discord qui est en train de se mobiliser pour ça. Voilà, si jamais, je vous dis juste ça. N'hésitez pas, juste le fond rose pâle avec FCF écrit, c'est très bien comme ça. J'ouvre le jeu. Ou alors? Ouais. Ça se passe comment sur mon logo, là? Ton logo est toujours là, man. Yes. Bien joué, la défense.